Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast Détestable, le podcast où est-ce qu'on va parler des pires dates, du dating game, de la dating life, de tout ce qui vient avec le fait de rencontrer quelqu'un dans l'optique de soit coucher avec, soit être en relation de couple. On veut vraiment décortiquer tout ce qui se passe quand on rencontre autrui dans le but de peut-être s'accoupler, qui sait. Donc aujourd'hui, je reçois Lisandre Nadeau, qui est ma meilleure amie, qui est aussi co-animatrice du podcast Sexe oral. Et je reçois Marie Gagné, qui est aussi une de mes très bonnes amies. Et ce qui est drôle, c'est que les deux, je les connais super bien. Mais quand je dis super bien, ça veut dire que je les connais très bien. Ça veut peut-être dire que nos bouches se sont peut-être entrelacées il y a quelques années de cela. Donc, c'est un épisode qui était vraiment le fun parce que j'ai appris des trucs, même sur des gens que je connais bien. J'ai appris encore des trucs. Donc, c'est ça. J'espère que vous allez être contents et contentes d'entendre toutes ces anecdotes et aussi les petites façons qu'on a de dater, de se présenter, les sites de rencontres aussi, des anecdotes vraiment, malheureusement, pas toujours le fun qu'on a vécu, et d'autres vraiment drôles, cocasses. On parle aussi d'orientation, donc j'espère que vous allez apprécier comme j'ai apprécié le faire. Bon podcast! Allô les filles! Allô! Allô mes invités, allô mes ex! Salut notre ex! En fait, vous êtes mes premières invitées, c'est mon premier podcast Détestable, je suis vraiment contente de vous avoir, donc je vous présente, on a ici la lionne Marie Gagné et la gémeau Lisandre Nadeau. Je suis vraiment contente que vous soyez là parce que ça m'apaise, c'est quand même un premier podcast, on va parler des pires dates. Aujourd'hui, de mes pires dates, de vos pires dates, et si on a le temps, des pires dates de ma communauté Instagram. Okay, j'ai demandé ça à plusieurs reprises, et c'est toujours des petits bijoux que je reçois. Fait que je sens qu'on en parle, mais avant de commencer, j'aimerais savoir votre rapport avec le dating game. Vous avez commencé à quel âge? Avez-vous commencé sur les réseaux, à l'école? Ouh. Oh mon Dieu, mon rapport avec le dating game. Mais ça me fait vraiment rire parce que moi, plaisante, on est allé au secondaire ensemble. C'est vrai. Je sais pas si tu te rappelles. Mais en tout cas, moi, au secondaire, je datais pas. Là. Genre, il n'y a rien qui se passait. J'étais comme là, dans le coin. Bref. T'étais gênée? Oh mon Dieu, oui. Genre, j'ai eu mes premières expériences de dating au cégep. Tu sais, juste pour vous dire. Puis, comme c'était quand même encore straight au cégep. C'est ça, c'était des gars. Ouais, quand même. Ben, je commençais à me douter que j'étais bisexuelle vers comme 17-18. Mais je datais encore juste des gars jusqu'à ce que je déménage à Montréal. Fait que c'est ça. J'ai commencé à dater plus de femmes une fois rendue à Montréal. Mais au secondaire, mettons, t'avais zéro doute que t'étais que t'avais un intérêt pour les filles? Non, je savais. C'est ça. Ben, c'était quand même straight. Genre, toi, je te trouvais tellement hot. Ah! Au secondaire, puis j'étais tellement déniaisée. Moi, j'étais genre, j'étais trop genre dans. J'étais dans ma tête, là, vraiment. J'étais comme, oh my god, j'suis so cool. Mais toi, c'est ça, vous avez comme switché, là. Toi, c'était les femmes. Ben, c'est parce que j'avais déjà. J'étais un peu. C'était gars et filles, mais les gars, j'étais pas capable de comme coucher avec eux. J'avais comme peur. C'est genre des grosses mains, du poil. C'était. Je trouvais ça trop intimidant. Fait que. Honnêtement, tu sais, j'aime les femmes aussi, mais c'était vraiment un safe space pour moi. C'était comme plus, je me sentais plus en sécurité. Mais j'ai commencé de bonne heure à avoir un intérêt juste pour les relations, là, mettons. Mais oui, c'est ça, là, j'avais ma blonde, puis j'ai la French à la cafétéria de. Oh, c'est bon, c'est mais avant genre ta blonde de Québec, là. Mais avant ta blonde, t'avais-tu daté d'autres personnes avant? J'ai daté. Ou c'était une date, puis en couple tout de suite? Ah, à ce moment-là, c'était ça, là. Genre, je me souviens, mon premier chum ever, comment ça s'est passé, il s'appelait... Bonsoir. C'était là, j'étais en secondaire 2, genre, puis je m'étais dit, OK, là, cette année, il faut que j'aille un chum. Je suis tannée de pas, comme, être en couple. C'est sûr que tu le connais. OK, c'était à ma tante. Ben oui. On dit quelque chose. Il est-tu grand? Oui, il faut le grand. OK, oui, je sais qui. OK. On pourrait, Nicole, si tu peux beep, blip. Moi, je veux dire, si tu peux mettre une photo. Non, c'est ça. Si tu peux blip le nom de son numéro de téléphone aussi. Oui, c'est ça.
Fait que je regardais comme tout le monde à mon école, j'étais genre, OK, c'est qui que je trouve le plus chaud? Genre, bon, ça va être lui. Parfait. Fait que là, je l'ai invité, genre, à aller au cinéma. C'est là, toi qui as fait les premiers pas, c'est ça? Dans mon souvenir, oui. Au cinéma Gaieté. Oui, au cinéma Gaieté de madame. Le cinéma Gaieté. T'es prédisposée pour toi, en tout cas? Oui, c'est ça. Asti que c'est bon. OK, je suis comme... Ça va une place qui me tente. Bon, fait que c'est ma gaieté. Puis là, le soir même, je l'ai ajouté sur Facebook comme mon chum. Fait que là, on était boyfriend, girlfriend sur Facebook comme... Attends. Tu lui as demandé d'aller au cinéma? J'ai dit, c'est qui que je trouve le plus chaud dans l'école? Ouais. C'est lui, viens au cinéma avec moi. Puis le soir même, j'ai dit, c'était mon chum. C'était ton... En couple sur Facebook. C'est ça. En couple sur Facebook. T'avais quel âge, là? Je devais avoir 14. OK. C'est correct. Hey, même peut-être 13, honnêtement, là. Je suis plus jeune, là. Puis, on est allé à l'école. Puis là, lui, je suis persuadée que tu t'es améliorée pour embrasser, mais c'était comme... Moi, comment je le décrivais, là, c'est comme s'il accumulait toute la salive non. qu'il y avait dans sa journée. Puis là, quand il me voyait, il la mettait toute dans ma bouche. Un peu comme Blaise, ton enfant. Un peu comme mon enfant. Fait que je passais toutes mes pauses à l'école à m'enfuir de lui. J'avais une amie qui espionnait puis qui checkait il était où. Fait que mettons, il était à la cafétéria. Moi, j'allais à l'autre bout de l'école. Puis là, si je me faisais dire qu'il bougeait, genre, je bougeais pour être sûre de pas le croiser parce que j'étais genre, j'avais trop la chienne. Je savais pas comment gérer. Finalement, une de mes amies il a finalement dit, fait qu'il m'a laissé sur Facebook. Ça a duré une semaine. Il t'a laissé sur Facebook? Ben, il a enlevé en couple, puis il s'est mis en couple à célibat. OK, je crois qu'il a fait un statut. Wow. Nous ne sommes plus en couple. Non. Vous en ado et moi, c'est terminé. Non, même pas, ça s'est fait. On s'en est jamais parlé. Que voilà, c'est mon ça Dieu, mon introduction. Comment ça s'est passé pendant votre date? Vous avez fait quoi? Vous êtes... On a écouté le film. Juste là. Ça? Ouais, mais qu'est-ce qui t'a permis de penser? Je pense qu'on s'est pris la main. Mais c'est à cause de ça que tu t'es dit on est en couple? Genre. Garde, okay. C'était mais pas, t'en fallait pas beaucoup, puis c'est bien correct. Hein? Non, moi, c'était... Oh, mais à cet âge-là... Je voulais un chum. Genre, ça. Je m'en crissais, je l'aimais pas, là. Il m'aimait probablement non, pas non plus. C'était vraiment, je veux avoir un chum cette année de plus avoir de chum. Fait que j'ai un chum. Mais tu voulais pas l'assumer devant les autres? Non, ça me tentait pas d'être sa blonde. Je voulais juste avoir le titre que j'avais un chum, mais que ça me tentait pas d'être avec lui. Parfait. Bref, fait que ça, ben, c'est mon introduction sont d'été. Louables, hein? Ouais. C'est bien correct. Toi, ton introduction mais d'été? Ben, à ta minute, là, on allait vers Marie, là, quand même. Pas grand-chose à dire, là. J'ai eu un chum au cégep, dans le fond. Ouais. Je l'ai daté comme 3 mois. Mais ta première date, c'était ouais, quoi? S'il te plaît. Ah, mon Dieu, c'était quand? Ma première... C'était où? Ma première date, c'était en troisième année, OK? Avec Maxime. Maxime. Tu peux laisser son nom, ça me dérange pas. On est encore full amis. Genre Maxime Desjardins. Es-tu blond? Ouais, ish. Puis c'est avec lui que j'étais allée au bal de finissant. Ah, ben aussi, oui! T'sais. Fait qu'on a vraiment. Là, il est rendu à Montréal, puis on est encore full proche. Bref. Il est devenu gay, lui, celui oui, qui est devenu gay. C'est on est très gay, c'est fucking ironique. Genre. Ah, mais c'est ouais. tellement nice. Au secondaire, on le savait pas. Vu qu'on était full amis, il était comme, ah, veux-tu venir au bal avec moi? J'étais comme, ben oui. C'est tellement ouais, c'est nice. Elle portait une robe bleue. Ah, qui veut avec ses petits cheveux blonds en plus? Une photo, genre. Ah oui, j'aimerais tellement ça! J'en ai des photos d'elle. Les gens te reconnaîtraient même pas. Hey! T'as en plus, dans le temps, c'était les robes de satin qui étaient bien en mode, là. Mais genre, pourquoi? Une vieille robe là, courte avec du froufrou. Hey, non, non. Ah, ben, je vous ai parlé de ma robe de bal, moi. Non, j'aimerais savoir une description de ta non. robe. Genre, honnêtement, aujourd'hui, on pourrait switch les robes de bal. Littéralement! J'avais une genre de longue robe noire. Vous parlez de vous deux, là, bien entendu, là, parce que oui. ça serait pas possible. Oui, excuse-moi. À moins que vous rentreriez les deux dans ma robe de bal, ça se pourrait, là. Demain. C'est ça. Mais t'es comment ta robe de bal? Moi, je veux savoir. Elle était trop laide pour que j'aie un cavalier. Ah, oh. J'étais toute seule. J'étais allée avec deux filles. Ah! J'étais vraiment Marie Gagné, finalement. Oui, c'est là. Ça, dans le fond. J'étais sa prémisse. Shit! Ma robe noire avec deux filles. Mais ta première date, c'était avec lui, mais pourquoi? T'es allée? C'est-tu parce qu'il t'intéressait? Oui. Il avait quand même l'air d'une lesbienne aussi. Il était okay. Honnêtement, tous les gars sur qui j'ai eu des crushs, toutes mes amies sont comme, ouais, mais là, pas le gars le plus masculin, là. Tu sais, j'étais comme, ben, ouais. C'est ce que j'adore. C'est exactement. Mais c'est ça, il était comme vraiment plus petit que moi. Plus petit que moi. Il était vraiment miniature, tu sais. Puis c'est ça. Tu l'as trouvé comment? Ben, c'est ça. Je commençais à me douter que, genre, j'ai couché avec, dans le fond, c'était ma première fois. Puis j'étais comme, ah, tu sais. Je me rappelle que je me disais, oh mon Dieu, le sexe est tellement overrated. Ouais. Je me disais ça. J'étais comme, ça n'a pas de bon sens. OK, mais si tout le monde le fait puis que c'est le fun, je vais continuer. Jusqu'à ce que là, je couche avec une fille, j'étais comme, ah, OK, OK. C'est un peu comme aller chez l'esthéticienne des fois pour passer par là, tu sais. Ouais. C'est sûr que c'est pas agréable. Ouais, non. Quand t'aimes pas ça. T'avais 18, genre, tu sais? Ouais, 18.
OK, fait que toi, ça t'a commencé vers 18-19. Ouais, accouché avec un gars avant moi. Ouais, mais toi, avec une fille. On a vraiment échangé. Vos vies ont swipé. Ouais, vraiment. Puis, OK, parfait. Mais moi, si vous voulez le savoir, en fait, j'ai commencé à faire... c'est pas un bon terme, là, mais mon agace, mettons, vers mes 13-14 ans sur... je pense MSN, les forums MSN. Est-ce que vous en souvenez? Les forums MSN. Tu sais, il y avait comme des groupes là, mais je pense que parce que moi je suis plus vieille que vous. Mais, moi, je me rappelle de MSN, mais genre. Ouais, il y avait des forums sur le site de MSN. Ok. Puis mettons, je sais pas moi, ça va être un forum. On se rencontre, on fait des amis, nanana, ou genre célibataire, on est tous là, blablabla. Fait que là, moi, j'étais vraiment jeune, mes parents ils voyaient pas ce que je faisais. Fait que j'allais sur ces forums là. Puis j'allais essayer de me faire remarquer, en fait. C'était ça mon but, là, parce que ultimement, tout ce que je veux dans ces sites-là depuis que je suis jeune, c'est de me faire dire que je suis non, ben, belle. T'es belle. Puis, mais, t'es merci. Belle, oui. Merci beaucoup. Puis c'est ça, fait que j'ai commencé là à vouloir avoir un intérêt, en fait, pour les gars. Puis après ça, ben, c'est sûr, les amourettes d'école, il y a toujours des gars que je trouvais super cute à l'école. Puis finalement, j'ai présenté à mes amis parce qu'ils voulaient rencontrer mes amis, puis ça finissait toujours avec mes amis. Fait que moi, j'étais vraiment la wing girl. T'sais, j'ai présenté à tout le monde, fait que ça marchait jamais. J'étais la bonne amie, là. Une hostie de bonne amie, là. Mais j'étais jamais la blonde. Fait que là, évidemment, je me suis rabattue sur. C'est ça, sur Badou, sur MSN, tout ça. Mais Badou, par contre, c'est là que ça a décollé, la gang. J'ai rencontré mon premier gars que j'ai rencontré autre qu'à l'école. C'était une date épouvantable, mais vraiment là, tellement gênante que j'ai envie de vous la raconter. Ma première date sérieuse, tu sais. Pas une date imaginaire. Parce que tu sais, des fois, tu sais, un gars qui dit « Ah, tu allais au cinéma », puis je pensais que c'est une date, puis c'était pas ça pantoute, c'est parce qu'il était tout seul, tu sais. Fait que rendu au cinéma, j'étais comme « Attends, date », finalement, il me parlait d'une autre fille. Fait que c'était pas des dates, tu sais. Mais la première date officielle, c'était sur Badou que je l'ai eue. Puis c'était un gars, appelons-le Martin pour les besoins de la cause. Ce gars-là, j'avais jamais vu sa photo. Mais il me parlait, puis il était donc bien gentil, puis il me trouvait donc bien belle, puis je me sentais donc bien spéciale. Pis c'est ça qui est tough avec le dating, c'est parce que, ben en tout cas, avec mon dating, c'est que moi, je cherchais toujours à me sentir spéciale, puis aussitôt que je me sentais un peu spéciale, là, je tombais en pamoison, tu sais. J'avais pas vu le gars, je l'avais pas vu, là, puis je le connaissais ni Tadam ni Dev, je savais même pas d'où est-ce qu'il venait, puis j'ai juste vu popper sur Badou, puis j'ai fait comme, il m'a trouvé belle, c'est mon homme. Fait que là, il a commencé à m'appeler, puis sa voix me déplaisait là, à un point. Là. Ah, oui. Je sais pas si vous avez déjà arrêté de voir quelqu'un à cause de sa voix. Non, mais les voix, c'est quand même important. Ouais. Ah, peut-être. Mais c'est impossible. On dirait que ça me dit de quoi d'être comme « Non, sa voix, non! » Mais c'est ça, ouais. C'est pas de leur faute des chérubins, mais ça arrive que... Non, mais ça arrive que... Oui, oui. C'est, ouais, je sais pas, ça peut aussi être comme, mettons, l'odeur corporelle, tu sais. Si quelqu'un qui pue pas nécessairement, il sent pas le swing, non, mais son odeur te revient pas. Mettons, son haleine, t'es comme, ça mais sent tellement. Pas mauvais, mais j'ai pas le goût de t'embrasser. C'est ça, c'est pas mon odeur préférée. C'est ça. Mais c'est ça, mais c'était un peu ça que sa voix, c'était pas ma voix préférée. C'était un peu aigu, très nasillard. Mais me comme ça. Ah ben non, c'est assez pour ben c'est ça. Ça sera pas possible. Je veux pas me sentir mal. Je veux dire, je vais faire une ode aux personnes qui ont des voix dégueulasses, mais lui, c'était vraiment là, l'enfer. Fait que là, Martin m'invite premièrement au restaurant. T'as quel âge? J'ai quel âge? À ce moment-là, je pense que j'ai 17 ans. Okay. Parfait. Et lui? Lui, je le sais pas. OK, à ce moment-là. Il y avait un pick-up puis il y avait un passé criminel. Fait que d'après moi. Je sais pas à quoi il y a quel âge. Non! Let's go! Oui, il me trouve belle, Marie! Fait que là, je me suis juste dit, ben je vais y aller. Puis l'affaire, c'est que là, j'ai choisi une fin de semaine où mes parents, parce que j'habite encore chez mes parents, étaient partis en fin de semaine de soccer avec mon frère. Fait que là, moi, je l'ai fait venir chez mes parents. Mais la veille, parce que la veille, je donne mon adresse. Puis là, il me donne une heure, je vais être là vers 3 heures, blablabla. Fait que parfait, super. Mais là, le soir même, il me rappelle, puis on discute encore. Et c'est là qu'il m'avoue qu'il a un passé criminel, qu'il a fait 6 mois de prison. Et là, moi, je suis comme, j'ai 17 ans, je suis toute seule. Puis t'as un gars que j'ai jamais vu qui vient me chercher pour aller manger au restaurant. Ouais, c'est fin de te l'avoir dit. Ah, mais mon Dieu, quelle bienveillance! Non, mais avant, tu sais... Ouais. Ouais, non, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais mettons, il t'aurait dit ça, rendu sa date. Ouais, ça, comme, ça aurait été différent. En mangeant... Ouais, je sais pas. Mais ça a un peu eu le même effet parce qu'il connaissait déjà mon adresse.
OK. Fait que, tu sais, j'avais déjà donné mon adresse, puis il me dit ça après. Fait que si j'ai dit, ah, ben, fuck off, je veux pas te voir. Imagine ce point. Il y a c'est ton ça, adresse. Passé criminel et mon adresse. c'est pas une amalgame que j'adore, tu sais. Fait que là, j'ai juste fait, ah, pas de problème, pourquoi? Là, il me dit, ah, parce que j'ai battu un mot en N. Mm. Puis là, j'ai fait, ah, mais moi, j'avais omis de lui dire que mon père était noir parce que dans ma tête, c'est pas important. Mais quoi qu'aujourd'hui, maintenant, je le dis à chaque 2 secondes, mais... Fait que là... Ah mon Dieu, excuse-moi, side note, t'as-tu vu sa story qui demande pourquoi tu chantes bien sa réponse, c'est mon père est noir. J'ai failli dire ça, j'ai tellement commenté sa story. Parce que Marie, à un moment donné, parenthèse, on s'en va au festival, ben voir Claude, en fait, au Franco. Oui, c'est ça? Oui, Franco. Oui. Puis là, je danse, puis là, Marie, a dit, ah... Semble tu danses bien, tu sais. Je suis comme mon père est noir. C'est genre. Quelqu'un me demande, tu chantes bien, il me semble. Mon père est noir. Je l'ai déjà dit. On ferme la parenthèse. Fait que cette personne-là se vante un peu. Mais pas se vante, mais tu sais, il est pas gêné de dire qu'il s'est battu avec un noir parce qu'il était raciste. OK. Puis que, ça part bien. Que non, sur vraiment, son corps, tatoué une croix gammée. Ben, non. Non, je te dis, il me dit ça. Puis là, je suis comme, juste te dire, Martin, mon père est de couleur. Il est pas foncé, là, mais il vient de la Martinique. Il est pas foncé. Puis là, il me dit, OK, mais c'est correct. Il dit, en prison, je me suis fait un ami noir, puis maintenant, je suis plus raciste. Ouf. Là, j'ai fait, OK. Pas de problème. Il dit, gars, je te dis, c'est un processus pour détatouer ma croix gammée. Elle est presque plus là. Okay. J'ai encore la cicatrice, bon. Mais. Moi, je crois à ça, les deuxièmes chances. Mais qu'est-ce qui fait plus peur, Lisanne? Un tatou de croix gammée, une grosse cicatrice de croix gammée. On dirait que c'est lui qui se l'est faite lui-même, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Ah, j'ai quelqu'un, un bout de verre là, qui s'est scrappé le bras pour faire une croix gammée. Ça fait fuck, elle me peur. Je me dis, là. Quel tatoueur accepte de faire ça? Sûrement un tatoueur raciste. Ouais. Non, mais. En prison. Bye, là. Ouais, peut-être en prison, dans le fond, mais c'est pas. En tout cas. Ouais. Fait que là, je dis, ben, parfait, viens me chercher demain. Mais je dis, par contre, j'aimerais ça ne pas aller au c'était pas au restaurant, c'était au cinéma qu'il voulait aller. Fait que je préférais aller au cinéparc qu'au cinéma. Je sais pas pourquoi j'ai dit cinéparc au lieu du cinéma, parce que dans ma tête. Je sais pas pourquoi je me suis dit cinéparc, il y a plus de monde, il y a de la vie. Si je veux, je peux partir à courir dans. T'es vraiment pris dans son char avec lui. Ben, là. C'est ça. Oui. J'avais 17 ans et j'étais un peu conne. Je comprends. Fait que là, j'ai juste fait, pas de problème, mais j'irai plus au cinéparc si tu veux. Fait que là, il fait comme, OK, parfait. Et là, il vient me chercher. Et c'est là que tout démarre, la gang. C'est que je suis dans mon garage et là, la porte du garage est électronique, en tout cas, électrique, je pense. Mm. Fait que là, je pèse le bouton, la porte allume, oh, ouvre, oh. Et là, il y a le gars dans son pick-up avec des lunettes, tu sais, des lunettes vraiment là, de sport, mais petites lunettes de sport super serrées. Non. Dans sa grosse face d'œuf. Il était chauve. Je me suis dit, quel âge. Non. Et là, je critique pas l'apparence de cette personne. Non, c'est juste que c'était un étonnement pour moi, tu sais. Tu le savais pas, t'avais rien vu. J'avais jamais vu sa photo et sa voix. M'avait laissé sous-entendre qu'il était pas un hostie de gros gars chauve motard. Je pensais que c'était un tout petit bonhomme. T'sais. Fait que là, je vois le gars. Et là, quand la porte ouvre, il me fait... Je vais l'écrire, là, parce qu'évidemment, il y a des gens qui écoutent audio, mais il me fait ça comme ça. Il met les deux doigts sur le bord de sa bouche. Non. Il me fait... Comme ça. Bien, évidemment, sans le bruit, j'entendais pas. Là. Il fait ça comme ça. Et là, je suis comme... Non. C'est pas possible. Et là, mon réflexe, c'était de peser sur le bouton pour que la porte se referme. C'est pas vrai. Ouais. Fait que là, je suis comme, là, je suis en là, je panique, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, je dis, Vanessa, assume, t'as pas le choix. Et je me suis dit, en plus, demain, tu vas pouvoir raconter à tout le monde que t'as eu une date avec un ancien prisonnier. Do it for the story. Exactement. Yeah, for the plot. Si tu restes en vie, là. C'est sûr. Non, c'est ça. Fait qu'en tout cas, je vais vraiment shorter l'histoire. Là, on s'en va. Ben non, on est là pour. Je veux l'entendre, ton histoire. Oh, mais c'est parce que c'est vous, le but, là. Vous non, êtes non, mais moi, ça m'intéresse. Moi aussi. Ouais. Oh, je suis dedans, là. Fait que continue. Fait que là, je rentre dans son char, ça sent les oignons comme s'il y avait un Subway au complet, là, dans son char. C'est fucked up. Je suis comme, comment c'est possible qu'il sente. Que ça sent autant. C'est-tu lui, c'est-tu son char? Il a-tu oublié un oignon en dessous de son banc? Je sais pas. Oh, et là, son haleine, là. C'était, je sais même pas, il y avait tellement d'odeurs fortes que je savais pas d'où ça venait, cette odeur-là. Puis là, j'étais comme, mes cheveux font sentir. Puis là, je suis comme,
OK, on va-tu au cinépark encore? Puis il est comme, ouais, mais vraiment, tu préfères-tu aller ailleurs? Puis il me propose d'affaires. Il a pas réagi au fait que tu as refermé la porte d'en oui, face? Oui, mais il a fait comme, t'es-tu correct? Puis là, j'ai dit, ah, oh, j'avais oublié mon portefeuille. OK, OK, OK. Fait que j'aurais pu juste retourner sur, sans fermer la porte, là, mais il était vraiment naïf. Là, fait qu'il a fait comme, OK, parfait, on est parti, on avait rien à se dire. Puis surtout que je voulais pas l'entendre parler parce que ça va me gosser. Oh, fait que là, je parlais pas vraiment. Puis j'étais juste comme, quel film tu vas aller voir? Je pense que j'irais voir Batman. Ouais, je vais, ah, on parlait vraiment Batman. Fait que là, on est allé voir fucking Batman. Mais tu sais, il y a deux films au cinépark, là. Ouais. Après le tiers du premier film, je me suis dit, ça pourra pas fonctionner, là. Ben non, ben non. Fait ben que non. Là, c'est là que j'ai comme l'instinct de survie qui embarque parce que là, il commence à me dire que normalement, je suis pas son genre de fille. Oh. Puis là, je suis comme, évidemment, c'est quoi ton genre de fille? C'est que des cadavres, là. Il fait peur, là, le gars. Fait que là. Là, il me dit, non, d'habitude, moi, je fréquente plus des danseuses, mais t'es vraiment loin physiquement des danseuses. Puis là, je dis, effectivement, là, j'étais une petite grosse de 17 ans, là, c'est pas tout à fait le même casting. Puis là, il me dit, je sais pas pourquoi, mon réflexe a été de le frapper. Je suis pas violente dans la vie, là, mais ça, il m'a tellement écœurée en disant ça que j'ai donné une bine sur le bras. Attends, en disant quoi? Il a dit qu'il voyait des danseuses, tu as crissé une bille? Ou genre, tu sais, je me rappelle pas tous les détails. Mais c'était à la blague ou un genre de... C'était vraiment... Non, il était vraiment sérieux. Il était comme, moi, d'habitude, je fréquente des belles grandes filles minces au gros cul. Et moi, j'étais juste une grosse. Mm-hmm. Fait que là, j'étais vraiment pas le casting. Puis là, moi, ça m'a insulté, je pense qu'il me disait ça. Okay. J'ai fait, pourquoi tu me dates d'abord? Moi, j'avais ma photo, tu m'as vu, tu m'as parlé, pourquoi? Tu as voulu me voir, tu sais. C'est parce que tu t'es dit, ah, oh, je vais laisser la chance à l'amour, tu sais. Je sais pas. Fait que là, j'ai juste fait comme tu m'insultes, mon esti. Fait que j'ai donné une bine. Puis normalement, tu sais, jamais dans 100 ans, je touche les gens, tu sais. Vous savez très bien que j'ai horreur de toucher le monde, là. Fait que encore moins frapper le monde. Fait que là, le gars, il me dit, hey, si tu me refrappes, juste te dire que j'ai des outils dans mon coffre. Voyons donc. Là, je suis comme des outils de quoi? Il dit, moi, je travaille sur. Je suis paysagiste. Fait que j'ai plein d'outils. Non. Puis je sais où est-ce que je pourrais t'enterrer pour que personne ne te retrouve. C'est sûr, c'est niaise. C'est sûr, Vanessa. Il sent ça. Mais moi, j'ai pas peur à ce moment-là. Je suis en tabarnak. Je suis insultée qu'il me dise ça. Pour qui tu te prends, mon gros hostie? J'avais tout. Je m'excuse de tous les sacs, la gang. Maintenant, j'en prie. Mais j'étais. Je sais pas pourquoi je dis la gang tout le temps. On est trop. C'est la gang. On est une gang, c'est. Mais c'est juste que j'étais comme. Pourquoi tu me dis ça? Fait que là, je l'ai refrappé sur l'épaule. Puis là, il se tordait le cou un peu comme dans un film, oh, tu sais. Non. Puis il est comme, OK, là, ça va arrêter, là, le frappage, là. Je dis, puis là, finalement, on a fini par en rire. Puis là, on est juste à la moitié du premier film. Fait que là, moi, je texte mon ami, parce qu'on s'était dit avant, texte-moi juste une lettre, n'importe quelle lettre, puis ça veut dire que t'as besoin d'aide, tu sais. Fait que là, je fais juste comme texter genre un Y, là. Puis là, j'y envoie. Là, elle m'appelle. Évidemment, puis je fais comment? Là, je dis raccroche, OK, oui, parfait, je m'excuse, je vais arriver, je vais venir, nanana. Puis je dis, hey, c'est le parti de départ de mon ami pour Vancouver ce soir. Il faut vraiment que j'y aille, nanana. J'avais dit, j'allais pas pouvoir être là, mais là, il est vraiment triste. Fait que là, il est comme, OK. Je dis, mon ami vient me chercher, puis je vais marcher jusqu'à l'entrée du cinépark, puis on est me chercher là. Il dit, non, c'est bon, je vais te déposer à l'entrée du cinépark. Puis là, il me dépose à l'entrée, puis là, il fait, je pense qu'on se reverra pas. Et je dis, t'as tout compris. Et ça s'est fini comme ça. J'ai plus jamais entendu parler de ce gros bâtard-là. Est-ce que tu pourrais aujourd'hui le retrouver? Tu pourrais-tu non, comme. Je pourrais même pas te dire, à part qu'il y avait une très grosse tête chauve. Il avait quel âge, tu penses? Je pense qu'il devait avoir comme. Mi-trentaine. OK. Mi-trentaine. Mais vous, est-ce que vous pensez, dans les quand vous datez les gens, est-ce que l'âge est important? J'ai tendance à dire non. Mais il y a quand même une limite, mettons. Ouais. Mettons, là, ça marche pas, le 17 ans, 35 SOS, là. Non, c'est non. Ça. Mais comme, tu sais, plus tu vis, moins l'âge importe. Compte, je pense. Ouais, vrai. Ben, ouais, parce que j'ai eu un chum de comme 34 à 19. Voyons, quand moi j'avais 19, il y avait 34. Mm-hmm. On le salue. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Julien. Puis c'est ça qui a fini par nous rattraper quand même, que j'étais trop jeune. Oui. Mais pareillement, c'est ça. Mon ex, on avait quasiment 12 ans de différence. T'sais, ça reste que t'as juste l'âge que t'as. T'sais, même si on s'entendait bien, on se rejoignait sur plein de niveaux, ça reste qu'on n'est pas en même place, puis t'as juste l'âge que t'as. T'sais. Puis à quel point vous étiez frustrée quand le monde vous disait « Ah, oh, t'es trop jeune, tu comprends pas. » Ben, tu vois, là, je suis dans une relation avec quelqu'un qu'on a quand même 12 ans de différence. Moi, je viens d'avoir 28, puis lui, il va avoir 40. Puis Arc! Vieux
top. Puis, tu sais, comme là, je la sens moins, la différence d'âge, que quand j'avais fucking 19 puis lui 34, ben oui. T'sais. Fait que déjà, comme l'écart, tu sais, c'est comme un... En vieillissant, l'écart se raccourcit. Là, quelqu'un qui a 50 puis quelqu'un qui a 62 se rejoint fucking, tu sais. Mais l'expérience, puis tu sais... Exact. Dans la vie, on fait nos expériences, c'est ça, puis on vieillit à travers tout ça, puis on grandit, puis on apprend à travers nos expériences. Fait que c'est sûr que un moment donné, 30 ans d'expérience, ça équivaut quasiment à 50, là, parce qu'on t'apprend les affaires au fur et à mesure, à moins que tu sois vraiment dans une grotte, je sais pas, là, mais... Mais comme t'as dit, t'sais, on a l'âge qu'on a. Parce que, pis, t'as bien beau être mature, mais comme... Non, c'est ça, je veux dire, à 19 ans, là, moi, je pensais que j'étais mature. Tout le monde pense ça. C'est ça. Mm-hmm. Puis à chaque étape de ma vie jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout le temps pensé que j'étais mature, là. À 14 ans, j'étais mature, tu sais, dans ma tête. Je t'apprends que non. Ben c'est ça. Puis dans 10 ans, je vais apprendre que j'étais pas mature à 28, dans le sens que tu t'améliores. Exact. Mais là, tu vois, je suis une place où on est similaire. Je sais pas si c'est un 10 pour lui, mais... Non, mais je pense qu'à un moment donné aussi, il y a des vieux jeunes puis il y a des jeunes vieux, tu sais. C'est ça. Moi, je suis une vieille jeune, je pense, sur certains aspects de ma vie. Je pense que je suis quand même immature pour une fille de 30 ans. Mais ta blonde puis, est plus jeune que toi. Ma blonde a 6 ans de moins que moi. C'est ça. J'ai 34, elle a 28, mais le même âge que toi, dans le fond. Fait que je te recherchais en elle, probablement. Je comprends, ben on le voit dans sa face, en fait, c'est ma sosie. Exact. Mais c'est vrai, le pire, c'est que tout le monde disait que c'était vraiment ta sosie. Je vois aucune ressemblance. Ses parents, ils ont creux, dit mais, très quand même. Ah ouais, oui. Peut-être les yeux creux, c'est ça, je pense que c'est ça. Mais à chaque fois qu'une fille a des grosses paupières, je me faisais, j'ai trouvé la fille, là, elle est pareille. Mais genre, je me fais dire ça 15 fois par jour. C'est comme Christina Ricci. Non, pas de ta fête. Plus, genre, le casting. Tu sais, là, la fille à la voix, là, la chanteuse là, qui chante... Valérie Carpentier? Non. C'est tout ce que je connais. Non, je juge. C'est une chanteuse française. Lara Fabian. Elle, je me fais dire tout le temps. Puis ta blonde aussi. Mais elle se fait tout le temps dire qu'elle ressemble à Lara Fabian. C'est parce qu'on a toutes la même affaire ici. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai cru. Puis là, maintenant, j'aimerais ça que vous me dites... Vous avez eu des réseaux sociaux pour rencontrer les gens? Eu recours à ça? Les réseaux sociaux, je veux dire Tinder, je veux dire Badou, je veux dire réseau rencontre. Fruits. Ouais. Ça ressemblait à quoi votre description, vos photos? Comment vous vous présentiez au monde? Vas-y. Oh mon Dieu, ça fait vraiment longtemps. By the way, je suis comme bannie des apps de rencontre en ce moment. Parce que les gens pensaient que j'étais un catfish, dans le fond. Fait qu'ils m'ont report. Fait que j'ai plus accès à, genre, le Tinder, c'est quoi les autres. Faudrait que t'ailles sur Raya. Je suis sur Raya. OK. J'ai jamais été acceptée, moi. C'est vrai. Mais j'allais dire, moi, c'est ça. Maintenant, je peux plus, là. C'est genre un club célèbre. Raya, c'est ça? Ouais. C'est genre pour les... Pour les gens dans l'industrie, là, c'est grave. Mais bref, c'est la seule app que j'ai parce que, Chris, je suis bannie de toutes les autres. Mais avant d'être bannie, tu utilisais quoi? Tinder et Hinge. Hinge, moi, c'était mon j'adorais, mien. Mais j'étais tellement insultée parce qu'il n'y a aucune façon de réavoir ces apps-là parce que c'est linké à ton numéro de téléphone et ton Facebook. Je faisais des recherches, puis genre, quand t'es banni, t'es vraiment banni à vie. There's no way de le réavoir. Mais t'es banni partout, t'es banni une fois, puis ça te bannit partout. Ça te bannit pour toujours, sur le partout. Grande. Non, de Tinder et Hinge, c'est ça. Les deux. T'es banni des deux. Mais je suis comme... je me suis jamais fait bannir. Non, mais c'est parce que les lesbiennes, they don't fuck around, là. Ils sont comme, on va la protéger, c'est pas toi, parce qu'à chaque fois que je me mettais sur les apps de rencontre, je recevais, mettons, une dizaine de DM de femmes qui étaient comme, je pense que quelqu'un qui se fait passer sur toi, je vais report, mais je vais pas commencer à répondre à tout le monde. Non, it's actually me, I want a date, genre. J'ai pas commencé à comme. Ouais. Fait que là, à chaque fois, j'arrivais, j'ouvrais mon app, j'étais comme, ah bon, ben, ok, parfait. J'ai impossible. Fait que là, je suis flattée qu'il m'ait défendu, mais c'était moi, genre. Fait que là, t'es réduite au dating old school. Ben oui, je suis comme, trouvez-moi dans la rue, est-ce que là, mais Raya, c'est nice? Ben, c'est nice, mais c'est une app qui est mondiale, fait que. T'sais, tu peux matcher avec des gens qui sont genre à New York, en Angleterre. Ça fonctionne pas par pays, mais région. T'sais, tu payes un extra pour voir qui est autour de toi, mais l'app de swiping régulier, c'est dans des gens à travers le monde. Ah, mais c'est vraiment c'est cool. Qui, genre, la personne la plus fucked up que t'as vue là-dessus? Ruby Rose. Ah! Ouais. En plus, c'est vraiment un app, t'sais, tu le sais que c'est elle. J'ai des frissons. Non, elle était, mais évidemment que j'ai pas matché avec, mais j'étais genre... Oh my god, she's so fucking hot, genre son profil. Puis là, tu vois qu'elle a des photos, tu sais, qu'elle a pas postées sur les réseaux, là, tu sais, comme des selfies, des trucs de même. Ouais. Shit. Ouais. Mais c'est quoi vos photos de profil, mettons? C'est quoi votre.
Oh mon Dieu, votre formule gagnante. J'avais là, mon affaire. Là. J'ai ma photo que je suis en voyage pour montrer que je suis genre, tu sais, vraiment... Aventurière. J'en ai une que c'est une selfie un peu plus naturelle, tu sais, pour comme, avoir l'air de comme la fille un peu, tu comprends? J'ai une photo... The Girl Next Door. Une photo fucking chixée, parce que je veux montrer aussi que je suis capable de chixer. Une photo avec mes animaux. Parfait. Pour montrer que j'ai deux chats puis que je les aime. Une photo... une petite vidéo candide où je suis drôle là. C'est genre j'adore. Tu ris. Ouais, toi qui manges un burger à 3h du matin, je te saoule. Je fais juste montrer. Non, ça, celui-là, c'est pour vous. Non, c'était genre une vidéo où je m'habillais puis je montrais mon outfit, mais je faisais des petites grimaces là. Genre montrer que je suis comme. Coquine. So funny. Ah, mais c'est so funny. Tu vois quelqu'un qui a de la misère avec sa robe un peu, là, pis qui Non, mais tu sais que je suis comme cute pareil. Fait que c'était ça pour montrer comme que je peux être chicks, mais funny. OK. Pis c'est quoi le terme, là? Tu sais, les filles sur TikTok sont fucking malaisantes, là. Pis cringe. Ouais, mais les. Tu sais, qui sont comme. Ah, je suis tellement comme. Non, c'est pas funny, c'est un autre mot. En tout cas, là, c'est pas grave. Vous êtes plus adepte de TikTok genre que moi. Genre sassy? C'est un autre mot. Tu sais, les filles qui essayent de montrer qu'ils sont comme... Qui s'en foutent? Je suis pas sérieuse. Je suis genre, c'est quoi le cas? Ah oui! Je suis... En tout cas... J'allais dire une pick-me, mais... Ben ouais, aussi. Mais... On s'en parlera. Bon. Fait que c'est ça. Puis ma description... Ben, moi, les applications de rencontre, je les ai tout le temps plus eues en voyage. Parce qu'au Québec, ben c'est un peu malaisant, là. T'sais. Fait que, mettons... T'es quand même mise en ado. Ben, hein? Non, mais que ça, on va appeler un chat un chat. Ben mais oui, c'est une célébrité. Non, mais en voyage, tu sais, je fais juste dire « solo traveler ». Puis est-ce que tu annonces tes couleurs? Est-ce que tu dis « wanna fuck » ou tu dis genre... Est-ce que tu dis « je cherche... » Ben, tu peux pas chercher une relation sérieuse en voyage. Fait que non, ça veut dire ça? Non, c'est beaucoup genre « who wants to show me around » genre. Oui. Genre « qui veut montrer sa ville ». OK, voilà. Mais ça marche. Montrer sa ville. Ça. Mais c'est pour tout ça, vrai. Tout ça, c'est tout sa ville. Mais c'est pratique pour vrai. Mais t'as c'est vrai. Tes guides touristiques de la ville, tu sais, en tout cas, moi, c'est la meilleure façon de voyager. Célibataire, là, c'est fou. T'as des gens de la ville qui te montrent leurs endroits préférés, puis là, ils essaient de t'impressionner, fait qu'ils te montrent les affaires les plus nice, et ils te sortent à des trucs full cool, ils te présentent du monde full nice. Mais ça, il faut quand même avoir un petit peu de courage, là, puis un petit peu de désouciance là-dedans, tu sais. Ben, je sélectionne des bons profils, là, tu sais, comme... Mais tout le monde peut avoir un bon profil. C'est comme... S'il n'y a pas de passé criminel, mais tu sais pas. Pas des lunettes rider. Mais tu sais pas, tu sais. Ben, les gens qui font... Tu sais, les tueurs, ils vont pas faire... ils vont pas mettre une photo d'eux autres avec un couteau ensanglanté et faire comme « je tue tout ce qui bouge ». Non, mais, je fais confiance à mon jugement. Là, je regarde les photos, je lis les biographies, je leur parle un peu avant. OK. Tu sais, je fais pas comme... On se voit 6, là, tu sais. Ouais. Ben, quoi que j'ai peut-être. Ben, c'est sûr que oui. Ta connaissance a déjà fait ça? Ouais. Ah, moi, j'ai déjà fait ça, faut que je suis quand même plus safe. Mais. J'ai été sur le fire un peu. Les filles, ça fait moins peur un peu. Ouais, mais c'est ça. Dans mon expérience à moi. Je sais pas si je fais ça avec un gars. Ben, en tout cas, l'histoire d'horreur que les creepypasta que j'écoute chaque matin en m'entraînant, je me rends compte que les garçons peuvent être surprenants des fois. T'sais, j'ai pas entendu encore d'histoire d'horreur concernant une fille, mettons, en dating, mais des gars, je vais pas généraliser, mais malheureusement, la vie s'en occupe et généralise pour moi. Et c'est vraiment là, des cas... Jamais tu penserais ça. C'est le gars a tellement l'air gentil. Il flatte justement ses deux petits chats, puis fait des petites photos coquettes avec ses petits kits. Là, puis t'arrives là-bas, finalement, c'est vraiment un narcissique. C'est un gars. Ça peut être un psychopathe, limite. Là, dans le Dahmer style. Exact. Mm-hmm. Ben lui, il avait l'air un peu fucked up, un peu à base. Ah, là, oui, mais c'est ça. Il ne faut pas se fier aux apparences. Mais je comprends que. Il y a quelque chose d'aventurier aussi là-dedans. Il y a quelque chose qu'il faut. Se fier à son instinct aussi, tu sais. Mais ça m'ennuie, là. Tu sais, j'ai déjà été dans des situations où j'étais comme, ah, tu vois, là, j'aurais pu être un petit peu moins aventurière, là. Mais je pense que l'Internet m'a comme désensibilisée, tu sais. Uber Eats, c'est des gens qui viennent chez nous me porter de la bouffe. Ouais. Uber, je rentre dans des autos d'inconnus pour m'amener à des places. Dating, ben, je sélectionne un profil et je vais en date avec. Tu sais, comme, je suis désensibilisée au danger. Mais il y a quelque chose, par contre, mettons, avec Uber Eats, puis Uber, bien entendu, que c'est un petit peu, même s'il pourrait être agressif puis méchant, il y a quelque chose de quand même régi, tu sais. Ben, les applications de rencontre aussi, là, tu sais, il faut que tu passes, que tu sélectionnes, que tu donnes ton numéro, ton adresse, tu passes un genre de test, voir si t'es legit, tu sais.
Fait que au même titre, là, je suis comme, c'est tu vrai. Viens porter ma bouffe, tu viens mais ouais, je sais pas. Mais faut faire quand même attention, faut quand même oui, prendre, 100%. Prendre le temps de regarder ces profils-là, puis de vraiment les séparer. Puis comment, ben toi, on va y aller avec toi aussi. Non, mais c'est sensiblement pareil comme toi, là, mon profil, c'est comme un mélange de tout. Mettons, parce que ça, tu veux montrer ton petit côté funny, mais ton petit côté sérieux aussi. Ouais, c'est un mélange. Puis mes descriptions, c'était genre un mot, là, je m'en crissais de la description. Mais c'est ça, parce qu'il y a comme plusieurs façons de d'écrire. Il y a comme, moi, je suis une femme de peu de mots, un peu mystérieuse, genre, t'écris comme, je sais pas moi. Je pense que c'est Only God can judge me. Combien de fois vous avez vu ça? Dans les descriptions, moi, j'ai dit plein de fois c'est ça. Pas, je m'en rappelle pas. Ouais. Des gars avec des gros chaînes en or, Only God can judge me, là, que tatoue sur le chest, ça, j'en ai vu plusieurs. Évidemment, je les ai pas swipés, mais c'est ça, il y en avait trop. Mais tu sais, puis il y a aussi la personne qui va vouloir écrire toutes ces informations. Ça, c'est comme too much. J'ai peur. Mais moi aussi. Si tu écris ton âge, ta grandeur, d'où tu viens, ton animal préféré, ta couleur, c'est sûr que ce soit. Mais qu'est-ce qu'il recherche aussi? Tu sais, ça veut dire, je recherche quelqu'un qui fait du sport. Je recherche quelqu'un qui aime ça. Mais il y a plus ça chez les hommes. Ouais, des fois, je vois des histoires justement de moi. Ouais, ben, ils sont vraiment sélectifs. Ben, c'est ça. C'est tellement rare que tu vois ça chez des profils de genre. Tu trouves? Ouais. Mais moi, on dirait que j'étais portée un peu à écrire un peu ce que je cherchais parce que je voulais que ça soit fixé. Tu sais, que la personne se dise tout de suite, OK, c'est pas moi, fait que je la swiperai pas pour pas me perdre du temps. C'est ça l'affaire. C'est que moi, ça me tente pas d'aller voir un gars qui écrit juste comme allô dans sa description. Ça, c'est moi, mettons. Mais c'est ça, mais tu sais, t'as bien beau être cute, je te swipe, mais t'écris juste allô, puis là, tu me parles, puis là, t'as l'air niaiseux ou niaiseuse, puis tout ce que tu dis, c'est pas nice ou c'est vraiment pas ce que je recherche. C'est quand même une heure ou deux de ma vie que je perds. J'aurais pu juste. Ouais, mais tu peux écrire les grandes lignes de ce que tu recherches, mais sans. Il y en a que c'est précis, le recherche quelqu'un de 6 pieds 2, blond, nanana, je suis comme à un moment donné, tu sais. Ouais. Tu peux écrire, je sais pas, je recherche quelqu'un de sérieux qui veut s'engager, tu sais, je sais pas. Mais quel genre de. Vas-y. Mais c'est juste, j'avais tendance à écrire, mettons, toutes les petites niaiseries sur moi un peu comme plates, là, genre procrastinatrice, da. Ça, c'est nice. Fait, là, ce que je me dis, c'est. La même façon, ça va faire un travail sélectif. Si tu vois mon profil, puis ce que je te dis de moi te déplaît, ben je perdrai pas mon temps avec toi. Fait que j'y allais un peu à l'inverse de genre, je dis tout ce qui est chez moi. Tes défauts, genre? Ben, tu sais, des petits fun facts, là, de genre. Quirks. Ouais, c'est ça, qui fait en sorte que le tri se fait de la même manière, mais comme à la place d'écrire je recherche, dis moi je suis, tu sais. Puis qu'est-ce qui vous attire dans les descriptions? Drôle. Quelqu'un qui réussit à être drôle dans genre une phrase, là, ça, c'est ça. Ça, je pense que c'est ton critère numéro un. Hein? Ben oui, j'ai toutes mes sélections d'amitié et d'amoureux et de tout. C'est drôle. Claude est drôle. Je sais que ça paraît drôle, pas, Claude. Mais c'est très drôle. Pourquoi ça paraît pas? Parce que la première chose que tu dis, c'est voyons, lui, tabarnak. Pourquoi mais il est spécial, c'est ça? C'est que, ouais, mais il est drôle. C'est ça, moi, je le trouve super drôle. Il est drôle sans vouloir être drôle aussi. Non, c'est ça. C'est ce que j'aime des gens. Olivier Dion, il est comme ça. Ouais, c'est-tu qui est drôle, ce gars-là? Il est vraiment drôle, mais tu t'en douterais jamais. C'est ça, j'aime ça, les gens que tu t'en doutes pas. Ouais. Ben c'est surprise. Ça, c'est comme, mais il sait pas, comme P.O. Baudouin aussi. Oui. Ouais. C'est ce genre de personnage-là que tu cherches pas à faire rire, mais qui sont vraiment intrinsèquement drôles, tu sais. Je pense que c'est le fait que t'es comme, OK, ces gens-là sont beaux, tu sais. Fait que là, tu regardes pas plus loin, t'as pas d'attente pour d'autres qualités. Puis là, tu te fais rire, t'es là, ah! OK, il est drôle, tu sais. Mais en tout cas, moi, c'est surprenant. C'est comme, ben, c'est ça. Peut-être que Claude, c'est ça. 100%, ben, tu sais, t'es comme. Tu t'as pas besoin de travailler sur ta personnalité, toi. C'est pas comme. Finalement, il y a une personnalité en plus. C'est ça l'affaire. C'est que moi, le monde s'attend toujours à ce que je sois drôle en premier. Mais tu leur deliver, mais. J'ai travaillé sur ma personnalité, moi, Lise. J'ai dû travailler fort en triste. C'est ça, c'est hot, ça, quand que t'as pas eu le choix de travailler sur ta personnalité, puis après, tu glow up, t'es comme. Best of both worlds, tu sais, toi, c'est tout ça qui est arrivé. C'est vrai, c'est vrai. On a travaillé sur notre personnalité. Ouais. C'est vrai que vous êtes devenu aussi drôle. Vous étiez drôle avant, mais là, vous êtes vraiment plus drôle, tu sais. On est funny, là. Ouais. Vous êtes vraiment funny. Puis, tu as dit dans une description. Ben là, c'est tellement cliché, mais comme moi aussi, si je vois que la personne m'appose quelque chose de drôle, je suis comme ça me. Genre, est-ce qu'une de mes ex était tellement pas drôle? Puis ça, ça aurait dû être le. Oh, on veut un nom! Ça aurait dû être genre the major red flag. Tu sais, quand la personne comprend pas ton humour, puis t'es comme. Ah, tu sais, tu lâches une blague, puis ça.
non, genre, je suis comme, je veux être crampée avec ma partenaire. Genre, c'est comme tout ce qui importe. Mais vous pensez pas que dans une première date, des fois, ça peut être dur d'être crampée parce qu'il y a tellement de nervosité, tu sais? Oui, mais justement, ça, ça peut, on peut en rire, tu sais, ouais. Je sais pas, ça sent, tu sais. Je sais pas, je suis en plus aware des red flags, non. Mais pendant qu'on parle de ça, vos dates, vos pires dates. Qui veut y aller en premier? Hey, pour vrai, j'ai... Mais je sais pas, tu sais, là, ce que tu viens de me dire, ça m'a juste fait penser au fait que Claude, la première fois que je l'ai vu, mettons, on est rentré à Big Brother, tu sais, on avait déjà chillé ensemble, mais lui était avec son ex, moi j'étais avec mon ex, puis on se parlait pas vraiment, tu sais, moi je parlais plus à sa blonde à ce moment-là, puis lui il parlait à mon chum à ce moment-là, puis on était de même, tu sais. Comme, t'sais, on n'avait jamais vraiment comme connecté. Puis à Big Brother, je me souviens que j'étais assise à côté de lui sur le divan, puis qu'on essayait de parler. J'étais genre, aïe, j'ai tellement rien à dire à ce gars-là. Genre, j'étais comme. T'sais, mais t'avais-tu rien à dire parce qu'il y avait une attirance déjà à la base? Parce que moi, je me souviens, là, avant de rentrer à Big Brother, que. Ah, ouais, ouais. Je le trouvais quand même assez ragoûtant. Les mots dégueulasse. J'avais dit à Vanessa, je vais mettre du vernis à ongles rouges. Si tu vois à TV que j'ai du vernis à ongles rouges, ça veut dire que j'ai couché avec. Je pense que oui. Oh mon Dieu, j'adore ce code-là. Mais tu sais, genre, on avait. Moi puis Claude, il disait rien, là. C'était rien passé, mais j'avais déjà comme. Parce que les dons avaient été annoncés, fait que les dons savaient qu'on allait être là, puis j'étais genre, ça arrive. Il y avait mes mises. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu considères ça comme une... Non, okay. Non, c'est juste parce que on parlait de quelque chose, ça m'a fait penser à ça. Mais j'avoue qu'une première date, parce que t'as rien à dire à quelqu'un, c'est épouvantable. Ouais, ben c'est ça. Puis j'étais comme... Tu sais, c'était pas techniquement une date, là, on était dans une télé-réalité, mais j'étais genre... C'est comme, on connecte pas, là. Jamais, là. Jamais, on va... Finalement, ben, c'est trop pas ça qui est arrivé. Mais ma première impression, fait que c'est en mode... Tu sais, je dis ça en mode de... Finalement, tu sais, ça peut changer, puis des fois, c'est juste le genre de... Il me rendait nerveuse aussi. Mais oui. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire, toi, dans un moment où est-ce que, justement, il n'y a rien à dire? Hey, ben honnêtement, là, si on n'avait pas été pris dans une maison ensemble, je pense pas que j'aurais... Tu sais, mettons qu'on avait été sur une date ensemble puis que ça, c'était ça la vibe, là, de genre, hey, j'ai rien à dire. Je serais rentrée chez nous puis j'aurais pas eu de deuxième date. Mais là, étant donné qu'on était dans une maison... On a appris à se connaître de cette façon-là. Tu sais, je sais pas si une date au resto, ça aurait été ça. Là. Mais c'est sûr que ne fait pas Big Brother qui le veut. Alors, gens, mettons, qui datent, parce que ça m'est arrivé aussi deux, trois fois. Une chance de plus. Mais dans ce moment-là, dans le malaise, qu'est-ce que tu dis? Tu sais, mettons, là, on est assis. Ah, moi, je pose des questions. Oui. Je pose des questions. Tu brises la glace en posant une question sur, mettons, son travail. J'essaie de. Réussir à m'intéresser. Fait que, mettons, je vais poser une question par rapport à sa vie, je suis comme, OK, ça, je m'en calisse. Je vais poser une autre question par rapport à sa vie jusqu'à temps que ça m'intéresse. Puis je fais, OK, on parle de ça. Puis là, c'est très Gémeaux. On adore. Moi, j'ai déjà parlé pendant 2 heures avec quelqu'un qui fait du grandeur nature. Ah, mon rêve! Moi, j'adore ça. En date, qui me parlait de son forgeron. OK, c'est du génie. Ouais, et j'ai pas peur de le dire. Il le sait, c'est François Tousignan. Ah, ben oui, François Tousignan, on salue. Et je vais probablement l'inviter aussi ultimement au podcast. Mais le pire, c'est que à la base, ça ne m'intéressait guère parler de tout ça. Puis là. T'es sorti de l'enfer, t'as acheté un bouclier. gros bouclier en mousse. Ben, on en discute là, mais juste vous dire que. On en parlera quand je vais le rencontrer, mais je vais faire une petite parenthèse. On est allé chez eux une autre journée, pas cette soirée-là, mais une autre date, je pense. Et il m'a dit... Et là, je veux juste spécifier que François Tousignan fait le tiers de ma shape. Donc, il doit peser 120, peut-être. Là. Mais peut-être je pèse... En tout cas, c'est peut-être pas le tiers, là, mettons. Là, mais au moins la moitié de moi. Là. Puis il m'a demandé si je voulais essayer son armure. C'est pas vrai. Y a-tu quoi de moins extensible François... que du métal? J'étais comme, il y a me voir, ne pas voir la différence des corps et ne pas voir la différence des corps, François, là. Je capotais, j'étais tellement gênée. Pis c'est là, même le casque rentre pas, François. Non, mais même sa mitaine rentrait pas. Dieu. Genre, c'est bon. L'affaire, c'est que je trouvais ça tellement naïf et beau. J'étais comme, oh, c'est cute. Mais en même temps, il y avait une gêne qui s'emparait de moi
c'est-tu là qui va allumer que je suis grosse? C'est-tu là qui va comprendre que je rentre pas dans son armure? Mais qu'est-ce que tu dis? Ouais. Tu dis-tu, François, je rentre pas dans ton armure? Ou tu fais comme, non merci? Mais je pense que j'avais répondu à une affaire comme quoi c'est pas le tissu le plus extensif, le métal. Je pense que j'avais dit ça. Puis elle a fait, OK, ben essaye mon épée en mousse. Fait que tu sais, on s'était un peu... Essaye mon épée en mousse! Ça, ça me faisait. Tu sais, ça pouvait tenir dans, mon, dans ma main. Mais. C'est bon. Ouais, non, c'était pas la. Mais c'était pas une mauvaise aide, en fait, elle m'a fait rire, oui, là. Oui, mais tu sais, oui. Mais ça, pour venir au fait qu'on discutait oui, de. Ben non, pas tout, c'est moi qui t'ai coupé pour raconter de mon histoire. Excuse-toi pas, Lily. Oh, j'ai jamais raconté de pas. Merde, je suis là, fuck, est-ce que je fais pas l'affaire qu'on est supposé faire? Je te donne du temps, là. Ok, réfléchis. Oui, j'ai trouvé. Fait que là. Ah ouais! Bon, vas-y. Mais en tout cas, pour finir, oui. On était au karaoké, puis là, on était juste nous deux. Dans un karaoké, personne de nous deux chantait. Puis on était assis face à face, puis là, il m'a dit... parce qu'en fait, évidemment, il y avait la petite gêne de... Parce que, dans le fond, on savait pas qu'on se trouvait cute à ce moment-là. Puis là, on s'était juste écrit un out of nowhere comme ça sur Instagram, genre, on va-tu prendre un verre un moment donné? Ouais. Qui a écrit à qui? Je m'en souviens pas. Je pense que c'est lui. Slide de DM. Je pense que c'est lui, mais je m'en souviens pas parce qu'il m'avait invité à faire un show. Puis après ça, il m'avait... En tout cas, okay. Je veux pas tout... Ouais, oui, on volait les potes, j'ai ton podcast avec lui. Exact. Mais ça pour dire qu'on avait, au début, plus ou moins de choses à se dire, tu sais. On se connaissait pas pantoute, pantoute, pantoute. Fait que là, j'ai dit, toi, j'ai vu ton profil, bicolline, grandeur nature, tout ça. Comme, ouais, il y a une besace, puis tout, là, tu sais. T'as ouvert la porte de Pandore. Exactement. J'ai ouvert la petite boîte et toutes les petites mouches sont sorties. Puis il a commencé à me parler, genre, justement, de. Mais ça m'intéressait full, parce qu'il était full intéressé. Voilà. Lui-même, il était passionné. Fait que moi, à la fin, j'ai fini en me disant, crime, je me verrais maître pâtissière, moi, bicolline. Genre, je pourrais tellement porter ma petite robe et faire du pain, là, pendant que lui va se battre son cheval en plastique, ça serait tellement bon, là, avec son wow. Épée de mousse, là, puis moi, à côté, je suis comme la levure pogne! Tu sais, ça serait malade! Non, bicolline! Je sais pas c'est quoi. On devrait y aller. Bicolline, c'est comme c'est un village de grandeur nature. C'est mon rêve, Vanessa, là, j'en reviens pas qu'on en a jamais parlé, genre, faire du grandeur nature, je le sais que c'est genre, ça vit en moi, là. C'est sûr, c'est Zelda, c'est sûr. Ça vit en moi, genre, j'ai déjà mon personnage, là. Mais c'est ça. Mon personnage, c'est une aventure à bicolline. Tu serais quoi, un dragon ou un vampire? Ah, j'adore. Est-ce qu'il est un dragon vampire? Un vampire à dos de dragon. Un dragouine. Vendu. T'es tellement une dragouine. Oui, une dragouine. Ah, j'aime ça. Tu ferais quasiment de faire un tatou de même. T'es tatou de serpent pis tout, ça sent fou le dragon malfoire, Potter, dragouine. Ça marche. Mais tu sais, mais ça, est-ce que ça serait une idée de date à la bicolline? Ça se fait pas. Hein? Tu peux pas t'aiguiser en paysan puis aller dater. Imposer ça à quelqu'un, c'est rough. C'est vraiment rough. Et ça passe ou ça casse vraiment dans ce genre d'activité. Là. Qu'est-ce que t'en penses de te déguiser en luthier? Très nice. Ah. Mais c'est ça, fait que je pense que dans les situations où est-ce que on a rien à dire, ça nous arrive à tout le monde. Je pense qu'on a déjà qu'on a rien à dire. Il faut se forcer pour s'intéresser, tu sais, il faut essayer de poser une question, mais je pense que le truc ça serait faire, c'est pas genre qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, c'est pas ça le truc non. Là. Ben, les questions quand je disais, tu sais, ah ça je m'en calisse, c'est vraiment quand je sens que l'autre est pas intéressé par ce qu'il dit puis qu'il essaie de meubler, ouais. Ça se ressent. Le moment où tu réussis à poser la question que là tu vois dans ses yeux qu'il est animé puis qu'il est comme oh! Puis là il t'en parle. À ce moment-là, je fais comme, OK, là, on a une direction, là, on a du fun, genre. Puis c'est ça, j'ai besoin de trouver la petite flamme d'excitation qui anime l'autre. Puis c'est là que tu peux vraiment voir, c'est quoi, comme tout le potentiel de l'autre personne. Tu as juste besoin de dire, ah ouais, puis là, pop, ça continue. Ouais. Ah, je savais pas. Puis continue, puis continue. Mais c'est tellement beau, quelqu'un de passionné. Ben ouais, oui, c'est ça. T'sais, mais tu peux être passionné sur n'importe quoi, mais comme quelqu'un qui a des étoiles dans les yeux en parlant de quelque ah, chose. Ah ouais, 100%. Ça oui, j'ai goût de m'acheter une épée en mousse. Exactement. C'est fou, c'est ça. Puis j'ai le goût d'aller faire de l'escrime, là. C'est pas des vases. Non, je m'en appris puis tous les coups, mais je m'en rappelle c'est pas. Tellement là, mais fun, un, deux, trois, quatre. Et c'est tellement nice. Ça. J'ai adoré. François. J'ai adoré. Merci François pour ça. Puis toi, Marie, t'as l'air d'être. Oui. C'est quand même spicy, là. Ah, ben là. Mais je l'ai déjà raconté en story time sur YouTube, là, juste pour vous dire. Là. J'avais fait une vidéo complète, ça fait des années de ça, OK? Dans le fond, je fréquentais une fille, ça faisait environ 3 mois. Puis elle m'avait invité à aller à New York avec elle et sa meilleure amie. Fait que j'étais comme, oh my god, elle va m'introduire à sa meilleure amie en même temps et tout. Fait qu'on s'était loué une genre de chambre d'hôtel à 2 chambres dedans. Fait que moi, je dormais avec la fille que je fréquentais, puis son amie avait l'autre chambre, tu sais. OK. Fait que là, on arrive là-bas. Puis elle, avant, a fréquenté une fille à New York. Puis elle m'avait dit, by the way, cette fille-là, j'ai plus rien pour elle. Genre, juste te dire, je suis vraiment over her, nanana. J'étais comme,
OK, mais pourquoi tu me le mentionnes si t'es overheard? Déjà là, c'est un petit red flag, tu sais. Fait que là, finalement, on sort dans un bar ensemble. Puis là, elle invite quelques-uns de ses amis qui sont à New York déjà. Fait que là, il y a une de ses amies à la fille que je fréquentais. C'est ouais. compliqué à comprendre? J'ai déjà écouté Story Time. Oui, genre. Ah ouais? Fait que. C'est vient... loin dans ma mémoire quand même, mais. Fait que là, elle vient me voir et elle était comme, hey, est-ce que tu savais, on va l'appeler Sam, est-ce que tu savais que Sam s'en vient? Sam, c'était la fille qu'elle fréquentait à New York. Ouais. Là, je suis comme, non, je savais pas qu'elle s'en venait, tu sais, pourquoi elle me l'a pas dit? Fait que déjà là, je suis. C'est vache. Tu sais, je suis comme, that's weird. À la seconde que Sam rentre dans le bar, je n'existe plus. Je ne suis plus... J'ai même pas eu le droit à une introduction de comme « Hey, by the way, genre, this is Marie, nanana. » Non. Je suis même plus là. Je suis comme « Hey, tabarnak, pour une fille que tu disais que t'avais plus de sentiments pour elle, that's kind of weird, là, tu sais. » Fait que là, je suis genre « Impossible. » Mais ça faisait combien de temps que tu voyais ce fille-là? 3 mois. Hey, mais quand 3 mois, même! C'est beaucoup? Ouais, ouais, regarde. C'est pas une journée, non, c'est une première date, je serais pas sûre. Hey, sacrement! Ouais, ouais, puis tu sais, voulait que ça m'introduise à sa meilleure amie, puis tout, j'étais comme Chris. C'est-tu montréalaise? Excuse-moi. Ouais. Oh my God, grosse vache! C'était quoi ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est très bien c'est qui. C'est à l'école de ma je pense que c'est Ziki aussi, mais je suis pas sûre. Ouais, tu sais qui. On en parlera à Bicou. Oui, excuse-moi, excuse-moi. Fait que, après environ une demi-heure dans le bar, tu sais, je suis comme, je vais chiller avec ses amis, mais comme, fuck her, là. Il commence à se frencher. Mais t'es restée! Oui, mais j'étais. Il amie. Commence à se frencher! Mais tu sais, j'étais une fille que je fréquentais, ça faisait un bout, fait que c'était pas comme quelqu'un que je venais de connaître, que j'étais comme bye. Tu sais, j'étais comme, ben peut-être qu'elle est malaisée, je sais pas. Mais c'est ça, il commence à se frencher, comme s'il y a pas d'hostie de lendemain non. dans ma face. Non. Là, je suis comme, hey, pour elle, je vais vraiment faire un bout, tu sais. T'aurais dû prendre soin de l'ami pour la frencher. Mais c'est ça. Mais c'est pas comme si j'étais à Montréal puis je pouvais juste m'en aller chez nous puis quitte. Là, on partage une chambre d'hôtel, je suis broke as fuck, je peux même pas me payer une autre chambre d'hôtel. Tu sais, j'ai mes billets d'avion, je suis comme. Arc. Fait que là, je suis comme, hey, je vais vraiment faire un bout. Même non. ses amis étaient comme, hey, c'est tellement pas correct, gâche pas ta soirée à New York, nous, on va sortir tout ensemble, viens, on change de bord. J'étais comme, ah, ils sont trop nice, tu sais. Fait que là, on change de bord. Finalement, ils décident de nous suivre, puis ils continuent à se frencher, à s'accoter des murs. Je te jure, là, j'étais comme, pour vrai, j'étais comme, vous êtes toutes sweet, mais je m'en vais, là, tu sais, j'en ai rien à chier. Je me rappelle, je braillais, j'étais tellement off, j'étais comme, mais pourquoi elle m'invite à New York, puis que finalement, like, it's so wrong, I don't know. Fait que là, j'arrive dans la chambre d'hôtel. Mais il devait être défoncé, il... là. Ouais, mais même à ça, tu sais. Non, 100%. En tout cas, fait que là, j'arrive dans la chambre, puis je suis comme, hey, there's no fucking way que je dors avec cette fille-là. Fait que je vais aller dormir avec sa best chum dans la chambre, tu sais. Ça reste de même. Le lendemain, je me réveille, mais mon sac de vêtements est dans ma chambre d'hôtel. Fait que je suis comme, je vais aller chercher, ben, je vais prendre une douche. Non. Oh, non. Je rentre dans la chambre, être avec Sam dans le lit, tout nu, esti, dans mon lit, dans le fond, d'hôtel. Elle a ramené la fille dans notre chambre. Hey, j'étais comme, hey, c'est sûr qu'on me niaise. Y'a-tu une caméra quelque part? Hey, c'est quel sûr manque qu'on me... de considération, ben, de respect. J'étais tellement en tabarnak que je me rappelle, j'étais comme, mais mon Dieu, je me fais tellement niaiser, c'est une joke. T'étais broke et cocu. Oui, c'est ça, mais j'étais comme, ben voyons, moi qui pensais que c'était exclusif, c'était pas, je l'ai su que ça l'était pas, est-ce-tu? Mais là, est-ce que vous avez juste... eu la discussion que vous étiez après, exclusif? Non, mais dans avant? Ma tête, mais c'est ça, tu sais. Aujourd'hui, j'aurais clairement une communication plus claire. Ouais, ouais. Mais dans ce temps-là, j'étais comme, ça fait quand même longtemps. Là, j'avais comme 20, 21, tu sais. Bref. Après ça, elle agit comme si de rien n'était. La fille, à part, puis elle est juste comme, hey, en grosse soirée. Ah! En fait, je suis comme, ben oui, grosse soirée pour toi, clairement, mais pas pour moi. Est-ce-t-il? J'étais genre, ben voyons donc, ça se peut pas. Donc, ce fut la fin de cette fréquentation. Après, tu y as-tu dit comme oui, c'est une charrue, ben, mettons? Au début, c'est parce qu'on était encore pognés là à New York. Fait que j'étais comme, je voulais pas gâcher comme l'expérience de sa best chum aussi. Fait que j'essayais de comme faire mes affaires. Hey, pour vrai, rendu là, là. Regarde, je suis trop people pleaser. Oh comme, my maintenant, God. J'agirais différemment. Ben oui, 100% avec le... Mais dans le temps, j'étais comme... En tout cas, cette fille-là, on en a parlé genre 12 heures plus tard, là. Ça y a pris... Toute la journée, j'étais silencieuse, j'étais de même, j'avais une espèce de face de cul, j'étais comme, je peux pas croire qu'il n'y avait pas s'excuser, je peux pas croire qu'il n'y avait pas me parler, tu sais. Mais pour elle, elle avait rien fait de mal. Exactement. OK. Pour elle, c'est juste comme, ah, c'est normal, tu sais, ça y tentait, whatever. Finalement, elle était comme, hey, je pense qu'il faudrait se parler, hein. Je suis comme, je sais pas, est-ce que... Puis elle était comme, mais ouais, c'est juste que, comme hier, j'avais vraiment besoin d'affection, puis genre, je trouvais que tu m'en donnais pas assez, nanana. J'étais comme, mais what about me le dire, au pire? Communique tes besoins. Dis-moi, hey, je suis vraiment quelqu'un qui a comme besoin de physical touch, blablabla, tu sais. OK, toi, à la place, tu t'es dit, ah, je vais fourrer quelqu'un devant Marie, tu sais, ça va lui faire comprendre. Dans notre lit. Exactement. Toi, tu t'es dit ça. Fait que, en tout cas, je me rappelle, j'étais genre, pfff. J'en reviens pas. Bon narcissisme, tu sais. Mais qu'est-ce que t'aurais fait de différent, mettons, aujourd'hui, ben, si ça l'arrivait? Je décalisserais. J'aurais les moyens de le faire. Ouais. Aujourd'hui, je serais comme bye bye, goodbye. Puis c'est ça. Je l'aurais peut-être envoyé chier.
Ben, ouais. Mérité. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, les gens trop sous, ils t'entendent même mais pas. Mais pas, ça, le pire, c'est qu'elle était pas si saoule que ça, je me rappelle. Mon Dieu, dans ma tête, il faut être complètement déchiré pour faire ça. Elle était vraiment pas si saoule que ça. Mais c'est un manque de considération, mais vraiment. Mais peut-être qu'elle s'était dit, on n'a jamais discuté qu'on était exclusive. Oui, mais au pire, elle n'est pas à New York. Pourquoi tu m'invites à New York? Tu sais qu'on est en fréquentation, on dort dans la même chambre. Au pire, va dormir chez Sam. T'es à New York, elle habite à New York. Mais je pense que c'est une nouvelle affaire aussi. Excuse-moi, je t'ai coupé sur ta dernière phrase. Vas-y. Non, juste. Mais il y a de quoi, je pense, à l'époque où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on a ces discussions-là d'exclusivité qui se passaient pas dans le temps. Il y a une couple d'années. Je pense que c'est nouveau, ces discussions-là. Mm-hmm. Je pense qu'à un moment donné, tu disais, ça fait 3 mois qu'on se fréquente, qu'on se voit, qu'on se dit, je t'aime ou je t'apprécie ou peu importe. Mm-hmm. Fait que ça va de soi qu'ils vont pas aller voir ailleurs. Mm-hmm. Fait que je pense qu'on prenait vraiment pour acquis l'exclusivité à l'époque. Puis maintenant, on le prend plus pour acquis ou de moins en moins pour acquis, mais il faut le verbaliser maintenant. Même si on n'était pas exclusif, je trouve juste que c'est un manque de respect quand même d'apporter quelqu'un. Si c'est vrai, on se l'était pas dit 100% qu'on n'était pas exclusif, mais comme invite pas la fille dans la chambre. Je trouve qu'il y a une manière de faire les choses. Là, ben 100%, mon Dieu, j'ai rien à dire là-dessus. Ouais. Je pense que c'est vraiment c'est pas une erreur. Là. Encore, je vais répéter, c'est un manque de considération vraiment pour toi. Puis j'espère. Mais tu sais, c'est con, mais on a tendance à penser que. Ben, c'est pas con. On a tendance à penser que c'est drôle, ces affaires-là. Quand on y repense, c'est drôle, mais sur le moment, ça t'enlève toute ta petite confiance aussi. Parce que 100%. Parce que si j'étais comme French là au pire, mais je veux pas être là. Genre, de quoi tu parles? J'ai pas besoin de voir ce moment-là. Tu sais, aussi que j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu fais, man? Genre, je sais pas. Tellement chiant. Ouais, j'ai déjà fait ça à plusieurs reprises à des gens. C'est ça. C'est ça que j'allais dire. Ça me semble que tu me ferais check quand tu sortais avec quelqu'un, là. Ouais. Oh. T'avais-tu réfléchi à ta date, finalement? Oui, mais là, son histoire fait juste me faire penser à les fois que c'est moi qui ai été une fucker. Mais c'est intéressant aussi. Ben, c'est parce que j'ai vécu avec mon ex. On la salue, Camille. Je l'aime d'amour. Puis, on vivait ensemble, on venait d'emménager ensemble à Montréal. Puis, c'est ça, on avait un chien, 2 chats dans un petit appart. Bien établi. Bien établi, là. J'avais 18. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme « Ah, non, ça marche plus. » Ça faisait une semaine qu'on venait de déménager de Québec à Montréal, puis j'ai écrit une lettre pour dire que je m'en allais, puis que c'était fini. Je suis partie dormir chez une amie, fait qu'elle a appris comme ça. Ça faisait genre 1 an qu'on était ensemble. Hey, même peut-être plus. 13 mois. Puis, je suis revenue dormir là une fois avec une fille dans le salon pendant qu'elle était dans la chambre. Fait que c'est ça, ça m'a fait penser. J'ai vraiment le « Salut Camille! » J'ai pas été... Mais là, j'excuse moyennement ça. T'étais quand même assez vieille pour avoir... Regarde, j'étais défoncée. Je travaillais au... c'était pas le Unity, c'était le... C'était un bar lesbienne. C'était le drugstore? C'était pas le drugstore. C'était c'était un coin sur la rue Sainte-Catherine. Là. C'est RIP, là. C'est DJTZ. C'est RIP? C'est Rest in Peace, le bar. C'était DJ Tizzy qui était tout le temps là. C'était genre. Puis je trouvais tellement surréal. Mon autre fait la promotion pour le Beach Club. DJ Tizzy! Non, c'était pas. C'était une DJ lesbienne de Montréal. Okay. Puis en tout cas, bref, fait que j'allais là. Puis là, j'étais comme barmaid de soir, mais j'étais pourrie. Je rentrais jamais dans mon argent. Puis je finissais par payer mes soirées. Puis à juste frencher du monde. C'était épouvantable. Les années de débauche. J'étais folle. Mais, OK, des dates que j'ai vécues... Mais c'est quand même intéressant de te voir que tu as fait vivre des dates de merde à quelqu'un. Oh, regarde, je m'excuse à tellement de monde. Déjà, tu sais, moi, je m'excuse à tous les gars que j'ai datés, dans le fond, que je m'en calissais, là. En plus, j'ai tout pogné des perles d'hommes. Parce que j'étais comme... Ouais. Mettons, il m'a acheté des fleurs, j'étais comme, qu'est-ce qui se fait, genre, tu sais, je m'en calissais des gars. Fait I'm sorry to all the dudes. Ah ouais, fait qu'un gars, à une première date, un gars t'achète des fleurs, t'es comme malaise, mais une fille... Ouais, j'étais comme, oh my God. Quand c'était une fille. Ah ouais? C'est clairement, j'étais gay. T'es là, c'est ça. Femme. Mais je suis désolée à tous ces gars. Bref, je comprends. Excuse, j'irai en couper. Non, non, pas du tout. Mais moi, je m'excuse à toutes les filles. mais par exemple, mettons que je pense à des dates de merde que j'ai eues, ça va clairement être des gars. Là. Puis genre, je repense à mes années de dating, mettons, ou plutôt mes mois de dating, parce que c'était... c'est de l'horreur. C'est l'horreur, je souhaite ça à personne. J'ai comme... Être en couple, c'est ou célibataire sans dater. C'est un ou l'autre. Ah ouais? Ah, si, pour vrai, là. Le dating, c'est rough. Vous aimez pas ça, le dating? C'est dur. C'est dur. Ah, moi, j'aimais ça quand même. J'aimais ça parce que...
J'aimais, ben, de un, me sentir spéciale. Là. Ça, c'était la première affaire. J'étais toujours stressée avant, bien évidemment. J'avais des petits papillons dans la vente, j'avais envie de caca, là, c'était sûr. Ouais. Mais reste que, on dirait que j'avais quand même hâte de vivre quelque chose avec quelqu'un de nouveau. Il y avait le thrill de. Mais, puis aussi, il y avait. Aussitôt, tu as eu deux dates de merde consécutives, tu te dis, ça va faire des excellentes histoires. Ouais, c'est pas, j'ai vécu pas mal la majorité de ma vie de faire des choses pour l'histoire, là. Genre do it for the plot, ouais. Là, c'était genre ma vie, là. J'étais genre, je vais aller en voyage pour pouvoir raconter ça, je vais coucher avec cette personne-là pour pouvoir raconter ça, je vais faire ci, ça. Tout était pour l'histoire. Puis à un moment donné, je me suis comme, j'ai comme arrêté plus de faire ça. Surtout dans mes relations. Mais tu racontes pas des histoires? Ouais, mais moi, je les sais. Mais, ouais, puis je... Fait que ça fait que maintenant, quand genre, j'allais sur des dates, puis j'étais juste comme, « Hey, pour vrai, je me fais chier. » Genre, tout le monde avec qui j'allais en date, j'étais comme... J'y ai plus personne qui me... Tu sais, le petit comme, « Oh my God, tu sais, je l'avais plus, là, genre... » J'avais... Puis l'affaire que j'ai le... Surtout chez les gars, là... Il ne pose pas de questions. Ça, c'est sûr. Note à tous les garçons qui n'écouteront sûrement pas ça. C'est faux. Posez des questions. Intéressez-vous. Mais généralement, gars, filles, intéressez-vous. Il y a des filles aussi là, qui. Puis pas juste en date. Là, ma blonde, souvent, je vais la présenter à du monde. Puis des gens qui sont comme allô, allô. Puis tu sais, c'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. Non. Ils posent. Ou mettons qu'ils vont, que je vais dire ma blonde a fait tel job. Ils vont faire comment. Ouais, c'est quoi? Non, ça arrive pas. C'est rare que le monde pose des questions. Nice. En puis général, tu sais. Parle d'eux. Exact. Mm-hmm. Ah ouais, tu fais ça? Cool. Parfait. Moi. Ouais, mais la meilleure façon là, de laisser une empreinte positive sur quelqu'un, là, c'est si tu lui as posé des questions toute la journée puis que cette personne-là a parlé d'elle-même, elle va rentrer chez eux puis elle va se dire oh, « Hey, c'était tellement une bonne personne, elle était tellement comme je me suis... » Ben oui, la raison, c'est que la personne, elle t'a laissé la place d'être toi, genre. Fait que si tu veux faire bonne impression chez le monde, tu poses des questions. Exact, c'est pas de se taire. Puis intéresse-toi pour vrai, là. Non, c'est ça. Et c'est pas de se taire, tu sais, mais c'est juste d'arrêter de toujours rapporter tout à soi, premièrement, tu sais, d'analyser ses comportements quand on parle. Parce que moi, j'avais tendance aussi, à, comme là en ce moment, à faire. Tu me racontes ton histoire, puis je fais comme, oh my god, moi aussi, moi aussi. Puis là, ça enlève le focus, tu sais, sur la personne qui parle, tu sais. Je comprends une fois de temps en temps. On est tout ce qu'on connaît. Fait que c'est sûr qu'on va en parler de nous-mêmes. Ben oui. Sauf que, maintenant, je trouve que c'est important de. Que ça soit kiff-kiff. 100%. Puis qu'il y ait un rapport d'intérêt de chaque côté, tu sais. C'est important qu'il y ait ça. Sinon. Mais je pense qu'il y a trop de personnes qui rentrent chez eux après une date puis qui ne se sont même pas rendues compte, qui ne se sont pas fait poser de questions, parce qu'elles sont tellement habituées de vouloir plaire à l'autre puis de se mettre en deuxième, tu sais, qui vont aller dans des dates puis qui ne vont pas se faire poser de questions, qui vont toujours, ils vont runner tout le long, ils vont poser des questions, ils vont entertainer l'autre, puis ils vont rentrer, enfin, comment il m'a dit que j'étais belle? Bien, j'étais la première à faire ça, tu sais. Ouais. Comme, oh, c'est pas grave, il s'intéresse pas à moi, mais il me trouve donc bien belle. C'est pas grave si je suis grosse, là, il me trouve belle, tu sais. Puis, c'est ça, je trouve juste qu'il faut apprendre à se respecter puis à respecter les gens en date. Puis c'est super difficile. Plus que tu te respectes, plus que le monde gosse, je te confirme. Genre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, d'été à jeun, là. Avec des standards, là. C'est vraiment de la merde. OK, oui, ben, je comprends, mais justement, tu perds pas de temps. T'arrives là-bas et te gosse. Mais ça, parlons-en. T'arrives là-bas. Qu'est-ce que vous faites, mettons? Vous arrivez là-bas, la personne avait l'air attrayante, là, sur l'application. Vous arrivez, il te pose une question, après ça, il parle juste de lui, puis ou elle. Puis je suis arrivée dans les yeux en disant lui, j'étais comme, moi, c'est pas la bonne personne à qui je parle. Puis. Comment vous faites pour mettre fin tout à ça? Est-ce que vous attendez jusqu'à la fin de la date ou vous coupez ça sec de même? Je suis encore un peu people pleaser. Ouais, moi aussi. J'ai bien de la misère, là. Je suis en dans le lion, hein. C'est ça. Je suis comme, oh my god, they like me, yes. Ouais. C'est ça. Ouais. Je comprends. Mais je vais avoir tendance à. Tu sais, je suis comme, OK. La personne va clairement pas me poser de questions, puis c'est clairement moi qui dois poser des questions. Fait qu'au moins, je vais m'arranger pour avoir des sujets qui m'intéressent. Fait que je vais poser des questions qui m'intéressent. Mm-hmm. Parce que, tu sais, je pose pas des questions pour que la personne se sente bien, puis, tu sais, dans le sens, oui, tu sais, je trouve ça important, mais je le fais aussi pour moi, tu sais, ça m'intéresse réellement, là. Je fais pas ça juste pour l'autre, là. Moi aussi, j'ai le goût d'apprendre, puis je trouve ça intéressant, là. Mais, tu sais, c'est sûr que si t'as un sujet de conversation, puis c'est les chars. Je vais me crisser sur le sol et me laisser mourir, là. Ouais, à part Buick puis Honda, là. Regarde, moi, je. Le vocabulaire est maigre. Vraiment, je m'en torche, là. Je comprends. Solide torche, là. Je comprends, c'est pas. Pour clore ça,
parce que là, je pense que ça fait au moins 8 heures qu'on parle. on pourrait parler encore 8 heures. Je pense qu'on pourrait en parler 3 heures. Ouais. J'avais le goût de finir avec... Il y a deux options, OK? Vous choisirez. Mm-hmm. Soit qu'on lit 2-3 petites dates, mauvaises dates que j'ai reçues via Instagram, ou soit que je vous fais des ça ou ça. J'aime ça, les sauces. Moi, j'adore les sauces. Mais là, genre, tu me donnes le choix d'apprendre sur les autres ou d'apprendre sur nous. C'est sûr que... Fait que là, je viens de dire que j'étais selfish dans le fond. Non, ben, c'est pas... Non, mais en même temps, c'est drôle. On y va avec les sauces, ça ou ça? On fait des sauces. C'est parce que t'es vraiment excellente avec des sauces. Genre, ils sont durs. Oh, mais là, ça sera pas aussi trash que d'habitude. Je sais, je m'en doute. Parce que d'habitude, moi, là, je sais que Marie n'aime pas tout ce qui est... ben, pas tout ce qui est masculin, mais tout ce qui sort d'un organe masculin. Mm-hmm. Mais, tu sais, mettons, fait que je vais faire comme... Est-ce que tu préfères boire un litre de sperme ou manger des vieux orteils dégueulasses qui ont pas été coupés pendant 3 ans? Sérieusement, c'est dégueulasse. Alors, juste random, tu vas vomir. Juste comme... Mais il y en a que je suis curieuse. Je aussi. Il y en a que je suis curieuse quand même. Oui. T'as le choix entre... manger un gâteau assise sur un pénis ou manger un pénis assise sur un gâteau. Qu'est-ce que tu préfères? Ben là... Quoi? C'est parce que c'est la question qu'on pose aux hommes, parce qu'ils sont comme... Manger un gâteau assise sur un pénis? Tu t'imagines que c'est un dildo pis t'as un bon gâteau en bouche? Probablement, mais les deux me répulsent, genre. Non, c'est clair, mais pense à ça. Préfères-tu avoir un pénis... en non, bouche. Au moins, t'as un petit feeling. Puis avoir l'arrêt plein de sucre. Oui, non. Vous avez... Ouais, t'as raison. Ça va être ça. Mais je vais pas te convaincre, là. Non, mais t'as raison. Ça me tente-tu d'avoir une graine dans la gueule? Non. Au moins, t'en vois pas, tu sais, quand mais t'as c'est ça, c'est vrai. Ouais. Ouais, ça serait cette option-là. Cool. Définitivement. C'est super. Dit. C'est fait. Donc, quelque chose ou ça pour terminer. Oui. Donc, quelqu'un qui dit que normalement, il date pas des filles comme toi ou quelqu'un qui te dit tu t'es gâté en me swipant? Arc. Arc. Qu'est-ce que vous préférez vous faire dire? Oh my God! Ben, je... honnêtement... Tu t'es gâté en me swipant, je pense. C'est dégueulasse non. aussi. Moi, je pense que c'est l'autre. C'est tellement coquille, là. Moi, je pense l'autre. Oh, ça ouais. ça peut dire plein d'affaires, là. Normalement, je date pas des filles comme toi. Ça peut dire plein ouais. de choses. T'sais, comme il se prend pas pour de la merde pour dire ça, là. Ouais. L'autre. Ben, j'ai tendance à aimer ça, le monde coquille. Genre, j'ai été élevée dans ce monde coquille. Mon père est coquille, mon frère est coquille, mon grand-père. Mais coquille drôle, tu sais. Mais c'est ça, je l'ai entendu drôle, moi. Genre, tu t'es gâté en me swipant, tu sais, genre, je trouve ça drôle. Ouais, ça dépend le ton. Mais c'est ça, comme le ton de « Ah, normalement, je date pas des filles c'est comme ça, toi. » C'est exact. De « Ah, ben, tu sais, mettons, t'as juste daté des blacks, puis je suis ta première blanche. Ouais. » Tu sais, comme, c'est ça. Ça dépend, mais... Mais tu t'es gâté en me swipant, je trouve que c'est de l'humour de bas étage, de bas niveau. Ben, c'est vraiment, là, toute ma famille, c'est ça, c'est leur genre. Je suis désolée pour ma tante. Mais mon père, c'est vraiment, je suis beau, je suis fin, je suis bien proportionnée. C'est, mais c'est tous les jours de ça. Mais il dit ça, puis il manque une dent, tu sais, il est drôle, tu sais, dans le sens que il sait que c'est, il est drôle. En disant ça, ouais. tu sais, mais il est full beau ton père, puis il est vraiment nice, tu sais. Mais ouais. dans le sens que, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, il vient d'aller courir, donc jouer dehors avec ses chiens, il manque une dent, puis les cheveux tout débouriffés, puis il est comme, ah, tu sais que je suis beau. T'es comme, ça, c'est nice, ouais, parce que ouais, le ouais. gars, il se prend pas pour un autre. C'est il sait qu'il est juste fier de qui, tu sais. Ça dépend du gars, du look, du ton, ça dépend de beaucoup de choses, mais. T'es quelqu'un qui dit, tu t'es gâté, elle me swipe. Oh, je pense que je préfère ça parce que l'autre va me rendre self-conscious puis je vais me demander, c'est-tu pas assez? Je suis ouais, pas assez? Je suis plus comme ça? Mais il faudrait que la personne élabore. Ouais, je poserai des questions. D'accord. Moi, je trouve self-conscious pour l'autre. Ah, moi, j'ai déjà vécu, je n'ai pas des filles comme toi. C'est pas super. Puis je prendrais ça quand même. Je prendrais ça quand même parce que j'aime pas le monde. C'est pas que j'aime pas le monde coquille, j'aime ça le monde coquille, mais le monde coquille qui ont raison d'être coquille, j'aime ça. Mais le monde coquille qui sont coquilles pour rien, pis t'es non. Ah, moi, c'est les flasheurs de cash, genre, pour vrai, là. Ouf, c'est malaisant. Mais surtout, ouais. tu as plus d'argent que d'autres. Là, que... Absolument. Non, c'est pas vrai, tu l'as fait exactement. C'est ça. Non, c'est pas vrai, mais. Ça, j'en ai déjà eu une date de même, là, un genre de gars du milieu, là, qui était là, pis il me flashait ses montres, pis ses affaires, pis ça en appart, j'étais genre. Sincèrement, je vais vomir. Genre, tu me dis le prix de que t'as payé non, ton c'est affaire. Ça, c'est un gros reflet de manque de confiance. Oui, tellement. C'est fou. Ça m'écœure. Je faisais pas une scène à ce moment-là. Mais ça t'écœure pareil. Ça m'écœure pareil. Ça, ben oui. raide. Oh, oui. Prochain. Oui. Quelqu'un qui te demande de payer parce qu'il a pas encore eu sa paye ou quelqu'un qui te quête un livre quand tu lui as dit que ça fonctionnera pas? Mais là, moi, je peux te payer ton Uber, là.
Ouais, c'est ça, mais tu sais, t'as pas dire comme tu peux-tu payer à votre date, peux-tu payer, mais j'ai pas encore ma paye. C'est parce que c'est pas peux-tu payer, j'ai oublié mon portefeuille, c'est je pense que j'ai pas encore eu ma paye. C'est quelqu'un qui se sent vraiment vulnérable. Ouais. Oh, fait que moi, la vulnérabilité, j'ai un petit malaise avec ça déjà en part. Ouais. Même si c'est important d'être capable de doser sa vulnérabilité, ou quelqu'un qui fait comme ça à la fin, tu dis, hey, ça marchera pas de baiser, on se donne pas de bisous, pas de câlins, là, ça marche pas. Mais qui dit, OK, c'est correct, mais tu peux-tu me ramener chez nous quand même? Ben moi, je prendrais ça. Ouais. Parce que tu viens de dire que ça fonctionnerait pas. Parfait, je vais aller faire un lift, bonne soirée. Parce ouais, moi aussi. Oui. Vraiment. Ah ouais? Au pire, t'en ris, là, t'es comme, c'était le fun, cool. Tu sais, genre, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Ah non, le. Ouais. J'ai pas reçu ma paye. C'est comme je suis très à l'aise de payer sur une première date. Comme la majorité du temps, je vais me lever avant que la personne s'en rende compte, puis je vais aller prendre la facture. Genre, ça, c'est vraiment notre ascendant Lion, parce que moi aussi, je fais ça. Ça se peut vraiment. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, de base, je vais faire ça. Mais si j'ai l'interaction de tu peux-tu payer, j'ai pas eu ma paye, genre. Moi, je serais tellement malaisée de dire ça. Mais oui, comme je voudrais fondre dans le plancher. Mais ça, c'est pourquoi tu viens au restaurant. Ben, c'est ça. Ouais, tu t'as pas eu ta paye, tu t'avais comme l'intention de, tu sais. Ouais. Exact. C'est la personne qui prend les choses les plus expensive sur le menu. Oh my God, le manque de respect, là. C'est genre, de toute façon, j'aurais payé. Mais le fait que. Ouais. T'es venu au resto. Encore pire, c'est toi qui m'as invité. Ah ouais, ouais. Non. Imagine que tu dis, hey, c'est parce que moi non plus, je paye ma paye, je comptais sur toi. C'est fucking drôle. Imagine, les deux, on est comme, qu'est-ce qu'on fait? Tu payes en cachette. On part à go. Tu dis que c'est le barman qui a payé. Juste pour qu'il sente mal. Ah ouais, ça, c'est une bonne façon, je pense. Ouais. Wow. Mais tu sais, qui est game de faire ça? Hey, c'est parce que moi non plus, je paye ma paye. Je pense que je serais game. J'ai une machine, une très grosse maison, là. Je suis vraiment dans la. J'ai dépensé un million, là. C'est bon. Selon le Journal de Montréal. Deux derniers, prendre arrêt. Ouais. J'essaie de trouver un bon. Là. Je veux pas que ça finisse. C'est tellement excellent ce podcast. C'est bon. Quelqu'un j'ai hâte de l'écouter aussi, de voir plein de monde raconter ça. Continue, excuse-moi. Ben non, c'est pas grave. C'était le fun, j'aimais ça. Continuez vos hommages. Ben c'est bon, t'es bonne. Bravo, bon premier podcast. J'ai hâte de l'écouter. Merci. Absolument. Merci. Les autres épisodes, je parle. J'avais des bonnes invités aussi. Là. Ah, on n'a même pas raconté comment ça on s'est rencontrés. C'est vrai. Ben là, nous, c'est l'école. Là. C'est toi qu'on n'a pas raconté. Non, mais nous... Ben, en tout cas. Parce qu'on est des ex. C'est ça. On est des ex. On va faire vraiment un rap. J'en fais un dernier, puis on dit vite fait pourquoi on s'est rencontrés. Parfait. OK, parfait. Quelqu'un qui dit « Je ne suis pas raciste, mais... » Ou quelqu'un qui dit « Mon ex, c'est une crise de folle. Oh. » Ben, moi, le « Je ne suis pas raciste, mais ça passe pas. » Là. Ben non, c'est sûr. Genre... Ah, oh, c'était facile, celle-là. Ouais, c'est... Ouais. Il y en a un qui est vraiment... C'était facile quand je l'ai écrit. C'est quoi? Quelqu'un qui sac à chaque deux mots ou quelqu'un qui dit crottin-boudin à chaque deux mots? Moi, je sac un peu à chaque deux mots. Non, mais quelqu'un qui sac pas, mais disons comme Joanie, mais qui dit crottin-boudin. Hey, c'était crottin-boudin de mambon, ça! C'est quand même cute. Crottin-boudin! Je sais pas. Je sais pas. J'étais tellement fatiguée quand j'ai écrit ça, là. J'étais comme, wow. Ça me fait fucking rire. Mais j'imagine juste la date de quelqu'un qui fait comme, ben non, crotte un boudin, paye pas, c'est moi qui paye. Tu sais, après, c'est cute. Moi, c'est quand même cute. Parce que moi, je suis. Elle est full déçue. Non, mais. C'est parce que moi, je sacre quand même, j'essaie de moins sacrer. Des fois, je suis comme, ah, comment? Ma gueule, tu comprends? Ouais. Fait que je suis comme, j'aimerais ça dire crotte un boudin. Ça me garde. Un petit jeu. OK, bon, on a choisi crottin boudin, tout le monde. Mais toi, c'est ça. Ah, tu connais pas quelqu'un qui dit « Ah, c'est-tu que c'était bon? » Non, mais t'as dit quelqu'un qui dit « Crottin boudin, c'était bon. » Oui, mais quand même. J'essaie de corriger ça, moi. Ça reste dans notre vocabulaire, tu sais, ça reste que... C'est un sac de temps en temps. On entend ça tous les jours, mais quelqu'un qui dit « Crottin boudin, crottin boudin. » Ça me fait penser, j'ai déjà... Je dis là, vite. J'étais à Rimouski, puis j'avais une date avec un gars, puis j'étais fucking stressée, puis on est allé jouer au bowling, puis tout le long de la date. Tu sais, quand tu fixes sur quelque chose comme toi qui arrêtait pas de dire la gang tantôt, là. Ouais. C'était que la force soit avec toi, OK? J'ai fixé là-dessus. Tu disais ça? Là, à chaque fois que c'était son tour d'aller pitcher une balle de bowling, je disais que la force soit avec toi. J'y pense encore à ce jour, j'ai des frissons. Ça, c'était une date? Je devais avoir 13 ans, là. Mais comme, okay. J'ai 28 ans. Puis je pense au fait qu'à chaque fois qu'elle allait lancer une boule, je disais que la force soit avec toi. Pour vrai, je me colle sur la tête dans le mur. Et puis lui, il devait se dire, elle est fatiguante de dire, es-tu correct tout le temps ça? C'est bien pire que crottin-boudin. Elle est bien fan de Star Wars, hein? C'est ça. Ouais. Elle est bien fan. Avec du recul, là, cette soirée-là, si je t'ai fixée sur crottin-boudin, c'est dur à dire! C'est un
crottin poudin. Crottin poudin. Ça aurait été mieux. Ça fait fucking rire. Pourtant, j'ai un humour vraiment plus nice que ça d'habitude. Wow. Très bon. Fait que là, on va terminer la gang super rapidement sur. Parce que là, on l'a dit au début que j'allais parler de pourquoi je vous appelle mes ex. Fait que là. Moment de vérité. Tu sais, qui t'a vu avant? Elle ou moi? Mon Dieu, c'est vraiment une bonne question. Elle nous a pas gagné. Je pense que c'est en même temps. Oh my god, moi je m'en vais. Mais c'est parce que en fait, je m'étais mis sur her. C'est là que j'ai rencontré Marie. Ah, je savais pas. Puis Vanessa m'a écrit pour me dire qu'on se ressemblait. OK, mais là, c'est sûr que sur caméra, j'ai l'air d'avoir un petit quelques livres en plus là, mais c'est juste que il y avait une photo. C'est ça. Il y avait une photo où est-ce que j'étais full maquillée en genre de, mais j'avais comme les yeux creux sur la photo. La puis photo, c'est vrai. On a comme un maquillage similaire avec une face similaire. Bon. On se maquillait un peu pareil à l'époque. C'est t'sais. Ça, voilà. Fait que là, je suis comme justement comme 60 livres en moins à l'époque, puis je suis même sur la photo, puis je suis comme, ben j'étais peut-être pas de même, mais mais en tout cas, c'est sûr qu'à l'audio, c'est sûr qu'il y pas, là, mais je faisais comme une face de poupée. J'étais maquillée comme Liz, puis là, j'avais fait comme. Puis il faut dire aussi que j'avais vu Liz faire une vidéo YouTube avec Catherine Duplessis, le Lipstick Challenge. Oh. Puis elle embrassait Catherine Duplessis. Mm-hmm. Puis pour goûter, pour goûter au lipstick, je pense. Ouais. Puis le bon vieux YouTube, genre. 2012. Oui, je pense 13. Que c'était en 2015, 2016, enfin la même. 2015, je pense. Ouais. Puis j'ai fait comme, OK, pourquoi moi j'ai envie d'embrasser Lisanne, tu sais? Puis je la connaissais pas. Puis là, je travaillais avec Miro avant, puis avec Simon, puis je savais qu'ils connaissaient Lise, fait que j'étais comme, je prêtais aussi aller avec ce sens. Je savais pas comment écrire, mais finalement, j'ai juste envoyé la photo, puis j'ai fait comme, il semble qu'on se ressemble là-dessus, enfin la même. Ouais, c'est ça. Puis t'as fait, je m'en rappelle pas trop quoi. Puis je pense que t'as dit c'est vrai par politesse. Ouais. Puis après ça, ça finit avec moi qui dis, hey, on se connaît pas vraiment, mais tu sais, prendre un verre. Puis t'as genre fait, mes amis m'ont dit que t'étais fine ou je sais pas quoi, que t'étais smart. Okay. Fait que, elle dit, je suis down. Puis moi, dans ma tête, ça sonnait date, tu sais. Mm-hmm. Mais je pense que toi aussi, ça sonnait, tu date ou pas? Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Mais moi, j'ai commencé à triper après elle. Genre, ouais, en tout cas. Ben, c'est ça, fait qu'après ça, elle a fait. Non, la soirée même qu'on s'est écrit, on s'en va dans une soirée d'humour, là, dans un bar, puis je suis dehors, je pense, sur la terrasse, puis tu sors. Je suis là. C'est la fille qui m'a écrit tantôt. Mais on s'est croisés le même soir, sans savoir où on allait. Puis là, je suis comme allée te voir ou. Je pense qu'on s'est écrit, de dire, t'es belle. Ah, ça se peut. Mais en tout cas, c'était comme la première fois qu'on se voyait, c'est la soirée même qu'on m'avait écrit. C'était vraiment bizarre, là, comme si je la stalkais. Ouais. Fait que là, on se ramasse là, puis je suis comme, au pelaï, malaise. C'est la fille à qui j'ai écrit aujourd'hui, tu sais. Ben, tu sais, la façon que tu m'avais écrit, c'était zéro. Même à ce moment-là, en tout cas, dans mon souvenir à moi, tu savais pas que t'aimais les filles. C'est ça, non. Là, ben, je commençais à explorer le fait que potentiellement, si ça marchait pas avec les gars, il y avait peut-être quelque chose qui manquait, tu sais. Mm-hmm. Fait que. C'est ça, fait qu'on s'est croisés là, puis après ça, on s'était pas vraiment réécrit, puis on s'était recroisés genre une semaine ou deux après au festival juste pour rire. Puis tes amis étaient partis, puis moi, j'étais dans la tente VIP, puis je t'avais dit, bah, tes amis s'en vont, on vient avec nous autres. Puis tu m'as juste dit, t'es vraiment mon genre de fille, puis ça finit la soirée avec, on va de chez vous, chez nous. Ouais. On a été chez elle, on a frenché, puis on s'est baigné dans la piscine. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, à partir de ce moment-là, c'est sûr que mes sens se sont éveillés. Mm-hmm. Puis je me suis dit comme, oh pédale, il y a quelque chose que je ressens là que j'ai jamais ressenti vraiment avant, tu sais. Fait qu'évidemment, c'était ma première flamme féminine. Mm-hmm. Fait que je me suis accrochée un peu plus que prévu à elle. Mais après ça, évidemment, là, les coqs sont rentrés en jeu et puis j'ai perdu la partie, là. Mais ça, je vais jamais exprimer ça non plus. Chum. Genre, on s'est rencontrés en juin. Ouais. Puis le 1er juillet, j'ai été sur une date avec mon ex, ouais. Avec qui j'ai été pendant 2 ans et demi. Mm. Ouais. Mais tu sais, j'y avais pas dit non plus. J'avais jamais de la vie. Elle m'a fait des avances aussi, ultimement. Mm. Puis j'avais toujours refusé parce que je savais pas quoi faire. C'est ça. Fait que j'imagine qu'elle aussi, de son. Ben, je veux pas parler pour toi, là, mais tu sais, mettons, quand elle disait, on fait-tu quelque chose? Puis que je disais, non, parce que j'étais trop, je savais pas quoi faire, tu sais. Mm. Genre, j'imagine qu'elle s'est dit, bon, ben. Ben, aussi. Le plus loin qu'on s'est rendu, c'était se manger les boules. Ah!
Bon, voilà. Je suis sortie du sac. Non, mais on s'est tripoté, là, mais... Il y a tout le temps eu un genre de blocage. Tu sais, qu'on se mettait les deux, ça va pas plus loin, je sais pas pourquoi, comment, tu sais, mais c'est arrivé à plusieurs reprises que ça aurait pu, mais à chaque fois, c'était comme... Mais il y avait... Je dis pas que c'est juste de moi, mais il y a une partie de moi qui était juste pas à l'aise pantoute. Ouais. Là, j'étais super gênée avec le fait qu'elle soit une fille, gênée avec le fait que je la trouvais donc bien plus belle que moi, puis je comprenais donc pas pourquoi, puis ci, puis ça. Puis en même temps, c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, tu sais, on est encore proches, puis c'est ça. Peut-être fait qu'on aurait été proches pareil, mais je pense que Marie-Pierre, ça aurait été encore un peu plus long, là. Mais c'est ça. Ben oui. Fait que moi, Marie-Pierre, c'est on devient des amis. Puis ça aurait été oui, parce que tout le monde aurait dit que je choisis mes ex, mes blondes en fonction de toi après, tu sais. Ah, ça aurait été lourd. Ouais, ça aurait été lourd en maudit. Fait que Marie, c'est après. Puis Marie, ouais, ben, 2016, pas, mais j'habitais encore, mais j'habitais à la même place, fait que je suis restée un an là-bas, fait que c'est dans la même année. Ouais, ça fait un bout, là. Tu sais, comme dans le temps, je me considérais pansexuelle, puis toi, t'étais comme bicureuse. Ouais, exact. Dans le fait que. Ouais. Considérait hétéro, là. Ouais. Non, c'est après. Ouais, c'est vrai. Mais considérait hétéro, mais. Ben, c'est ça, mais moi, c'est plus ce concept-là qui me faisait peur. Je pense que c'était ça le blocage. Même encore aujourd'hui, quand les filles sont comme ah, tu sais, je sais pas trop, je suis comme j'ai comme une réticence. Fait que je pense que c'était ça aussi qui avait un blocage, tu sais. Mais c'était des super de nice dates. Ouais, mais j'assumais pas non mais plus. C'est ça. J'assumais vraiment c'est pas. Tu sais, Marie, on s'est rencontrés. Première date, c'était au date, au karaoké. J'amène toutes mes dates là, on dirait. Puis j'étais pas sûre. Mm-hmm. Parce qu'il y a quand même un peu poker face des fois, tu sais. Fait que j'étais pas sûre de savoir si je l'intéressais ou pas. Marie-Pierre, ça? Non, Marie Gagné est ici présente. Resting Beatrice. Ouais, quand même. Fait que j'étais comme au shit. Là, j'en merde dessus. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup dans l'analyse au début. Des gens qui sont comme, ah, je sais pas trop. C'est tu m'aimes? Je suis comme. Qu'est-ce que t'as fait, Marie, pour me faire comprendre que t'avais un léger intérêt? J'étais à côté dans un mur, je t'ai frenché. Exactement. <Ouais. rire> Puis tu sais, c'est niaiseux, mais ça m'a enlevé un peu l'idée que c'était juste un gars qui pouvait avoir... une pogne. Une pogne, puis un instinct protecteur aussi. Tu sais, je chantais, pas qu'elle me protégeait à ce moment-là, mais je chantais qu'il y avait comme une force dans son caractère, évidemment dans sa poigne aussi. Là, mais t'es tellement comme féminine. Mais c'est ça. Tu sais, honnêtement... Même moi, je me sentais plus masculine avec toi, encore à ce jour. C'est ouais, t'es parce que c'est pas la façon que tu t'habilles, c'est pas la genre ton caractère, c'est vraiment t'as une aura féminine. C'est ça, vraiment. Mais dans le bon sens. Dire, là. Ben, vous en parlerez à mes trois poils sur le menton, mais. Parfait, mais je vais le prendre. Mais peut-être surtout dans un contexte de dating, t'es comme. C'est ouais, comme douce, c'est comme une petite comme chose. Si je commence à parler comme, mettons, je parlerais dans la vie de tous les jours pour faire comme. Mais t'es tellement même. Pas de même en mime, en contexte de dating. Ben, c'est t'as ça. Adouci, c'est un ça. Petit chat gêné. Mais si je commence à parler vraiment puis à être la. Tu sais, la fille est super assumée puis tout, ça veut dire que tu m'intéresses pas, je pense. C'est ça. Ouais, ça fait du sens. Mais si là, je suis comme. Parce que je pense que c'est ça que je recherche aussi, c'est quelqu'un qui est capable de faire comme. Là, tone down. Tu sais, là, on va se calmer un peu, on va faire quelque chose. Puis moi, j'ai la misère à prendre des décisions. Fait que je veux quelqu'un qui va faire comme, on s'en va là, on fait telle affaire, nanana. Puis moi qui va se faire comme, ah, finalement, ça me tente plus de faire l'autre affaire. Tu sais, puis. Probablement que si j'avais été quelqu'un de plus entreprenante, ou, tu sais, mettons plus. Tu sais, il serait arrivé quelque chose aussi. Tu sais, dans le sens que t'avais besoin de ça. Mais toi, t'avais-tu un intérêt, tu sais? Ben oui, tu le sais, on en a parlé à plusieurs reprises. On l'a dit, mais tu sais. Mais, oui. Rappelle, mais non, mais physiquement, oui, on avait comme un thing, mais tu sais, je sais comme, est-ce que j'ai jamais eu vraiment. Bon, je m'en vais pas te poser la question, comme si un. Ben, j'ai eu un réel intérêt, mais tu sais, au même titre que genre, j'avais. Tu sais, j'ai l'impression que pour moi, c'était moins gros probablement, dans le sens que j'étais genre, tu sais, un peu. J'avais une tendance à comme. Au couple ouvert. Ouais, couple ouvert slash enfilé comme des soirées. Ouais, ouais. Tu sais, fait que moi, ça aurait probablement été une ou deux fois, puis on continue, puis c'est chill, puis. Tu as quand même dormi chez nous deux fois, puis tu as porté mes vêtements pendant. Deux semaines. Mais tu sais, à ce moment-là, moi, je pense que j'étais plus en mode, ah, oh, ben, ça vire comme une amitié. Ouais, oh, ouais, 100%. Des fois, ça se fait juste organiquement, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Mais comme Marie, puis moi, ça s'est bien terminé, je pense. Oh, ben, puis terminé, c'est comme si. Finalement, ghosté. On est en fond, c'est comme on peut parler durant un bout, puis après ça, on est juste reconnecté. Exact. Pense, ouais. Mais comme quoi que
des fois, tu sais, on rencontre des bonnes personnes aussi dans le dating, tu sais, puis que on peut se faire des amis là-dedans, puis on peut avoir des beaux souvenirs, c'est pas juste la merde. Mais ça, c'est tellement un queer classique, là, d'être genre best chum avec des filles que t'as déjà daté. Oh mon Dieu. Tellement. Merci beaucoup, mes ex, merci à toi, d'être venue à mon premier podcast à vie. Je suis vraiment contente de vous avoir eu. Puis merci. T'es bonne, vraiment. Puis ben mon Dieu, ça fait plaisir de vous avoir accueilli dans pas mon studio. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Bye bye.